Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena. Ah, je me suis fait. Magic Arena FR, comment ça va, Fou? Ça va très bien, et toi, je savais même pas que t'allais lancer maintenant. Ah oui, bah j'ai voulu prank et du coup, je me suis auto-prank. Tu t'es prank. Voilà, bien fait. Ah, je tous saute. Comment allez-vous tous? Nous ne voyons pas encore le chat parce que, encore une fois, on a eu un souci technique. Toi, t'es parti comme ça là, mais, fond, là. Mais c'est bon, ça marche, regarde. Salut GM94, salut Crypteux, salut. Seretnem, je te laisse le faire parce que c'est ton rôle. C'est tu n'es là rôle. Que pour ça dans c'est la chaîne. C'est mon rôle. Ok. Je cherchais un mec qui pouvait dire bonjour à après tout le monde. Après moi, je m'en vais. Allez, pousse-toi, voilà. Salut Swifty, salut Démon Blanc, salut Arcantrox, écoute Démon Blanc. Ce soir, on va ouvrir des cartes. Salut Raenel, salut Faolin, salut Jadel Pico. Petit teasing. Ah, ça tease, salut ça à tous. Tease. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que en ce moment, votre vie de magique arénien... Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Quel est votre métier? Est-ce que votre vie de Magic Arénien se porte est aussi fast que la nôtre? Parce que nous on se régale. Hein. Oh pétard. Oh pétard. Oh mince. Keteb. Salut Thibaut, salut Babas, salut Dams, game, hein. Salut Very Bad Funny, salut Micha. Lance une game. Ouais. Allez. On s'était dit on lance pas de game et finalement on lance une game. Salut Steven, pas de soucis, c'est pas grave. En plus mon stream il a cut. En fait le jeu est passé en maintenance au bout d'une heure. Donc en fait, du coup, tu m'aurais vu jouer qu'une heure. Après, on a fait une petite FAQ pendant le reste. Il faut en question, n'est-ce pas? Salut Latin lover. Hugo Cogu. Oui, 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 tu es nouveau. Tu peux poser tes questions ici, bien évidemment. Alors après, selon le chat, c'est pas évident de te répondre à toutes tes questions, mais si je peux, j'essaierai d'y répondre. Salut Yanej. Salut Patatrac. Salut Yanej. Eh ben écoute, c'est cool Patatrac. Salut Akantrock, j'ai déjà dit bonjour. M'y excuse. Non, j'ai déjà dit bonjour. Je vous ai dit bonjour. Salut Paper ouais, Time, je viens de lire ton message privé, merci beaucoup. Nous non plus, on ne peut... Salut Mr. Jack, on ne peut pas monter de rang. Je vais vous dire, hier, je le disais à Walter, quand il est arrivé, j'ai perdu une game, j'ai perdu la moitié, non, un rang et demi, donc un rang complet et la moitié. Et ensuite, j'ai reperdu une game et j'ai regagné trois quarts de mon rang. Incroyable. Aucun sens. T'es encore parti avec Deland en espérant t'appeler PL? Merde. Voilà. C'est pas grave. Mais j'ai envie de te dire bien fait maintenant, tu vois. Et il y a des fois, ça te voit pas marcher. Et tu donnes le mauvais exemple aux gens. Mais pas du tout. Bah bien sûr que si. Mais pas du tout. Bien ouais, sûr que si. Pas salut Alvendil. Salut Alvendil. Salut, salut vraiment à tous. Parce qu'on joue les Parce deux, pas joue de les track. Deux. Yep. My turn. Et dans tous les cas, celui-là est quand même meilleur que le logo griffe beaucoup. Ndashta. Sans coi alors. Ndashta. Temer. Phase d'attaque. Rajeunisseur elf. Il rajeunit du coup les gens. Une espèce de chirurgien c'est esthétique. Lui, c'est pas lui qui rajeunit. Hein. Oui, il rajeunit les autres. Donc du coup, sur le plan d'N19, c'est un plan. Ouais. Il rajeunit les. C'est un plan. C'est le. C'était un plan une fois. Je crois pas que c'est un plan. C'était un plan, ma mère. Eh oui, on t'es aime bon, bien toi. Les tu blagues le ici. Sud, j'ai perdu une fois le nord, je n'en ferai plus avec le sud, je te le dis, voilà. Hop là, salut on va Cibic, tuer ça. Salut Calistos, salut Garfield, salut Yulonisuna FR. Pardon. Ah, j'ai toujours du mal à prononcer le pseudo, moi. Quand je le vois, je fais. Écoute, ah, on a plutôt mince. La forme. Moi, je commence peut-être à faire une rhino, je pense qu'il y en a pas mal tu en ce moment. Tu toussautes rouge. Je toussaute pas, mais j'ai le nez qui coule un peu et le mal près à la gorge, quoi. Ouais. Ah, je crois qu'il y a une belle magie. Eh, hey, merci à Démon Blanc merci pour la Merci à belle Démon magie. Blanc. Donc, voilà, je me suis pris un croc là, comme ça, là, ici, là. Bien fort, bonsoir quoi. À tous, vous arrivez en masse, ça fait quand même plaisir. Arrivant. Qui veut gagner de l'argent en masse? Oh regarde, salut Kuja. Il y a le dessin, full art. Eh il est beau. Full art. Full art. En japonais. Elle est pas mal. Hein. Ah là une petite robe et tout, franchement je l'invite au bal. Hein. Tu l'invites à danser? Ouais, après je la regarde dans les yeux, je suis mort tu vois mais... Et merci à Titbo merci. Qui s'est abonné Twitch Prime. Comment merci c'est beaucoup. Qu'on n'a pas le 11? Ah c'est vrai qu'on a... Ah si, on l'a eu, on n'a pas entendu, la musique était peut-être trop forte. Est-ce que la musique n'est pas trop forte? Non, mais c'est pas la musique, on n'a pas eu le son, tout bon. Alors, la donne a été installée normalement. On est censé avoir la donne, Garfield. Oui. Salut, Galion. La donne est là, et nous dit que tout marche. Peut-être que vous le verrez à la game d'après, mais normalement, c'est bon. Faites un refresh si vous n'avez pas la donne. Je peux draw 2, sinon je peux contrer, ce qui est pas mal. Exactement, Steven. Moi, je vais combat. Bah ouais j'avoue mais ça me fait liège d'être malade, c'est quand même relou, c'est désagréable. On va tuer son elf sans problème. Fin, nous on a un petit contre, on peut piocher, on peut faire plein de belles. Le patch d'aujourd'hui il a seulement amené les decks préconstruits que tu peux gagner en faisant du ranked, c'est tout. Hop là, ionisation. J'en veux pas moi, de ton choupac.
Chupacabra. Est-ce qu'à faire moins 3 de Raska serait beaucoup de ressources? Essaye seulement. Si et seulement si. Il a déjà autant de mana? Et ouais. Ça, c'est encore une liste qui a fait 5-0 sur MTGO, c'est ça? Ah, je pense. C'est la fameuse. Il y a deux chuchoteurs. D'ailleurs, ouais. Les chuchoteurs de mort, ne chuchotent pas du tout. Quand ils arrivent sur Chamata, ils sont désagréables. Horrible. Ah, vraiment, rien à voir avec le chuchotement. Ah, du coup, je suis content. Bien joué. Écoute, voilà, j'avais le droit de piocher un land avec tout ce que j'ai creusé là. Écoute, Chimie, on joue la zizette, exactement. Et ce qui est très drôle, c'est que les gens veulent voir notre zizette. Tous en plus. Et hein. Tous nous demandent en commentaire. Allez, la zizette. Oh, calmez-vous un petit peu là-haut. Quand est-ce que vous jouez zizette? Alors, du coup, on va sortir la zizette. Et oui, on a enregistré la vidéo, les amis. Ouais. On monte notre zizette, du coup. Salut, Sotrise. C'est drôle ça. Je t'ai dit tout à l'heure, ce deck, j'ai du mal à gérer quand il y a plein de créatures. Et il m'en met 11. Eh oui, c'est pas. Vas-y, concède. Gagne du temps. Attends, je rajoute l'animation parce qu'elle est jolie. C'est un petit peu dégueu, mais un peu joli quand même. Est-ce qu'on a eu les arpenteurs full art? Bien sûr qu'on les a eus. Salut, les indus. Hop là, tu prends 3. Il fait une magie dont on ne pourra revenir. Mais ton prochain, il me propose une phase quand même de sauce importante. Et il me tue pas en plus. Mais est-ce qu'il te rend plus fort? Je crois pas. C'est genre, il te tue pas, mais il te rend pas plus fort pour le coup. Hein. Donc ça va pas le faire. Salut Bojo. Salut Jace. Et salut Titaou. Eh merde. Ah mince alors. Il y a un monde où je partais en couille. Non, faux. Il n'y a aucun monde. Oh ouais, aucun. Même dans le multivers, eh ben, il y en avait quand même aucun. Ouais. Hey, bonsoir, c'est Jace. Dans Infinity War, il voit je sais pas combien de futurs, 1 million. En plus, il y en a 7, un. 104 millions, je crois. Ouais, et il y en a un où il gagne. Mmh. Bah, toi, et ben même là, pas. S'il y avait Docteur Strange, Doctor il aurait Strange, dit. Il regarde, il aurait même pas regardé. Il aurait dit non, franchement, là. Je sais que dans le multivers, abandonne. C'est dead. Écoute, j'en relance une petite, ça me fait plaisir. Voilà, est-ce que tu m'autorises? Eh oui, vas-y. C'est déjà lancé, voilà. Salut Big Flo et Oli. Oh là 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 là. Toujours pas encore. Ils pas sont encore. Là. Et non, plus du tout. Allez, sortez, venez, les gars. T'imagines, on les fait attendre. Incroyable. On est venu dans le sud. Mais tiens, un jour, on va lancer. Oh, on va juste lancer. Ah, c'est pas Torque, c'est Torik. C'est Torik et Marmut. On va lancer un stream et ça sera Big Flo et Oli à notre place. Mais leur dis pas. C'est la semaine pro. Ce sera trop rigolo. Ah là, on garde ça. Salut Magnus, salut Lilou Meta. Les salut gars, ce manque de respect sur votre dernière vidéo, on manque de respect à qui? On oublie tellement, c'est notre pain quotidien. On a manqué de respect à quelqu'un? Je me rappelle plus du tout. C'est quoi la vidéo d'aujourd'hui? C'était Abzan? C'est Abzan Knight. On manque peut-être de respect au mec qui joue Grul Combo et qui nous tue. C'est vrai. Mais en même temps... On l'avait tellement saucé avant. Équivoque. Équivoque comme deck. Il fallait deviner quoi. Ouais. Mettez-vous à notre il place. Il fallait deviner, le pauvre deck avait la rage. Ah non, c'est Settle et Assassin's Trophy. Ah ouais, peut-être. Le dernier qu'on settle, quand même, on va le chercher, le settle, quoi. Et on mouline comme ça. En même temps, le mec, il s'est oublié dans notre settle. C'était incroyable. Mais j'adore les gens qui s'oublient dans notre settle. Il te met tout comme ça, toi, tu fais, hey, gros, c'est terminé maintenant. Ah, bien joué. Ouh, il joue bien en ligne, lui, j'adore. Je vais te deck une petite frappe foudroyante, là. Eh ben, merci, Steven. Salut, Steve Galtes. Eh ben écoute, merci à Yorgusama qui est nouveau, qui a découvert nos chaînes YouTube et qui est venu nous voir en stream du coup. Ça fait plaisir, merci à toi. Ça fait plaisir. C'est là où se passe la belle magie, mais pas atemporelle, tu vois. En direct. Dans l'instantané. Bon, je vais quand même bien me faire saucer le Yuk avec ça. Salut Moustique. Ah oui, j'avoue. Note à toi-même, démon blanc. Mais sauf que là, il y a tout le chat qui le sait, du coup. Qu'est-ce qui va se passer après cette game, Pierre-Louis? Et après cette game, on va ouvrir des très jolies cartes, par exemple. On va ouvrir de la belle magie. Qui nous a été offert par démon blanc pour agrémenter notre cube. Exact. Salut mes flowers. Les habitués sont là, ça fait plaisir. Bah, il a tout. Hey, ça, c'est le meilleur deck, hein. Je t'en ai parlé, hein. Et tu le sais, mais de toute façon, tu connais. Hein. Je sais, mais. Le deck. J'ai pas envie que ce soit le meilleur deck. Le deck a tellement passé la rotation qu'il a même pas d'ajout. C'est le même deck. Ah ouais? Il a passé la rota et tu n'as rien à ajouter. Y'a pas une petite carte qui se balade? Je joue deux fois là, 1-2 qui surveille et qui vole. C'est tout. Ah ouais?
Ah, c'est dégueulasse, vol. Ah, j'adore, moi. Ça m'énerve. Ça t'énerve ? Ça me... Ouais, ça ne me sied guère. Ça te trigger ? Là, je vais faire un play du désespoir au tour prochain. Et je pense qu'il a un contre, donc finalement, je vais juste perdre tranquille. Tranquillement, tu perds ? C'est vrai que c'est mieux que de perdre dans la... Mon play, c'est ça. Dans la difficulté, quoi. Et j'espère avoir une fois foudroyante en surveillant. Ah oui, c'est vraiment le pire play ever, ouais. Quoi. Bah... Bon, eh ben, merci beaucoup, Steven. Du coup, c'est un échec. On est sur un échec. Ah, tu peux encore faire option. Ah bah non, tu peux pas faire option. Je peux faire dresser un cap. Eh non. Allez, si, voilà. Ah, bah il fallait faire option alors. Ah non, c'est bien dresser un cap. Oui, c'est vrai. Ah, merde. Merde. Salut, Tobizarro. Escroc ondin, ok, c'est bien. C'est pas bien, mais c'est bien. C'est sympa quand même. J'ai pas pu. Ok, c'est pas grave. T'as pas pu répondre ? J'ai pas eu le droit. Ah non, parce qu'il annulait les capacités, donc il coûtait 3. Ouais, ouais. Salut Nicodemus. Salut Babouille, comment vas-tu ? Git good. Qu'est-ce que ça veut dire, git good ? Faut s'améliorer. Ça vient de Dark Souls. Ah d'accord, ok. Ok, bah du coup c'est fort quand même, hein, ce petit deck là. C'est trop fort. C'est genre, je pose une 1-1, je la buff en 2-2 et je vais piocher à chaque fois qu'elle touche et derrière je vais contrer tout ce que tu vas faire. Moi j'ai pioché aucun anti-bête. Au monde. Et il s'en fout, il va le contrer. Genre là, ouais, mais j'avais une fenêtre pour le piocher. Pas genre ça, tu vois. Enfin, t'avais la fenêtre d'essayer d'avoir ta foudre, mais tu sais pas s'il avait le contre. Si, parce qu'à un moment il était all-in. Quand il a mis ses deux enchantements, j'aurais pu le tuer. Ah ouais. Et du coup, je gagnais la partie. Salut Doc Formol, on est un duo magique. Ça fait plaisir, ça. C'est bizarre, c'est pas plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais quitte donc ça. Qu'est-ce j'ai pas lose en vrai, voilà. C'est vrai. Bah, pour l'instant. T'as pas lose ? J'ai père lose. Moi je pense que t'as lose, moi. Quand je vois la main qu'il a, je te dis que t'as lose. Eh, tu sais pas ce qu'il a dans la main. J'ai joué le deck tout hier après-midi. Une horreur. Une infamie. Allez, défoulons-nous sur la belle magie. Dans la maintenance de cet après-midi, ils ont juste implémenté les derniers préconstruits que vous pouvez gagner en faisant du ranked, en fait. Rien de, Les dessins full art. Et les dessins full art, ouais, des planeswalkers. Rien d'important, en somme. Toujours pas de matchmaking amélioré, pour le coup. Et Zach ? Alors, on est où ? Du coup, petite... On est où, là ? Petite full screen, petit aparté, petit ralentissement de la part de ce truc là. Ouais, il a mal par là, là. Il est pas bien. Tranquille. Et bonjour. Salut à tous, 78 viewers déjà. Nous allons passer une petite ouverture d'un colis que nous avons reçu. C'est un peu lent, Magnus, comme délire. Un peu lent, quoi. Je pense que l'idée est cool, mais c'est vachement lent et la ZAV, c'est quand même fragile, c'est quoi. Démon Blanc qui se trouve actuellement sur le chat, plus connu sous le pseudo de Alfie. Si mais... Oui, Alfie, exactement. Mes souvenirs sont exacts. Et puis voilà. Salut Skyfus. Ouais, qui nous a fait un joli mot. Qui nous un, a petit, fait, un petit mot pour nous, nous remercier. C'est sa contribution à notre cube. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez voir le Discord. C'est écrit et expliqué dedans. Sinon les viewers pour vous expliquer ce que c'est. Il nous a demandé de faire l'ouverture en stream parce que soi-disant il nous envoie quand même de belles cartes avec des cartes qui sont chères. Soi-disant. Ah ben on sait pas, on n'a pas vu. Et les, c'est peut-être un prank. Et c'est peut-être un prank. Et en fait les modos qui eux connaissent la liste de l'envoi nous ont teasé en disant que c'était quand même assez incroyable. Je sais pas si vous voyez, bon, c'est bien blanc mais en gros vous avez un paquet 1. Hop là. Un paquet 2. Enfin, vous avez comme si vous aviez ça à la maison, alors pas du tout. Et un paquet 3. Alors, je crois qu'ils n'ont pas notre chance. Voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dans le paquet 1 et 2, il y a des cartes. Cartes qui sont bien. Et dans le paquet 3, que voici, il y a ses cartes préférées. La fin. Il y a ses cartes préférées des Dash, il y en a un 5. Et il nous a demandé, je crois, représentant mes débuts en tant que magicien DH, elles sont cachées pour que vous essayiez de deviner qui elles sont. Alors, s'il y a des petits indices... ou quoi, ou si tu veux nous donner des indices. Salut Kyo. Démon Blanc, pardon. Je voulais pas dire Alfie, parce que c'est son pseudo dans le chat. Démon Blanc, si tu veux nous donner des petits indices pour les deviner, bah, c'est avec plaisir, s'il n'y en a pas. Parce que sinon, juste deviner une carte sur les plus de 18 000 qu'il y a dans Magic, ça va être compliqué. Donc voilà,
Regardez le dos des pochettes aussi, elles sont marrantes. Okay, d'accord, bon, on regardera tout ça. Et avant très important, moi ça c'est le geste qui me parle le plus. Je vais décoller ça proprement. Ah, vraiment, on a juste ouvert le colis, mais on n'a pas ouvert les cartes. Hein. Ah, il y a Kyo qui dit vous n'êtes pas prêt. Et il nous avait déjà dit qu'on n'était pas prêt. Mais... ouais. Non, l'ordre d'ouverture, assez... il a été défini. 1, 2, 3, c'est justement l'ordre dans lequel on doit ouvrir. Ah, il y a beaucoup de scotch sur cette carte. Autant pour moi. Autant pour toi. Autant n'importe le vent. Autant pour jeu. Petite carte. Cadeau. Attention. Attention, attention. Paf! Une Armless Offering Foil. Le petit chat qu'il y a dans notre outro. Le petit chat qu'il y a dans notre outro. Et ça, ça fait très très plaisir. Et regardez où cette carte va aller tout de suite. Hop là. Hop là. Juste derrière. Dans le voilà. Décor. Et il y aura toujours ce petit chat là. Comme ça là. Le petit chat. On le voit pas très bien là, comme ça. Mais mais on le voit. Enfin moi je le sais quoi. Mais nous on sait qu'il est là. C'est parce qu'il est sleevé. Il est sleevé et en plus il est foil. Il est beau quand même. Il est foil. Il est quand même sympa. Tac, ça, ce et petit voilà. Mot que je garde très précieusement. Kyo a dit qu'il mangeait un an avec la valeur du colis. Ah, donc oui, parce voilà, qu'apparemment, il y a une valeur, teasé, quoi. Valeur très élevée dans ce colis. Au-delà de la valeur sentimentale, il y a des valeurs pécuniaires. Jun, ça nous fait sadement à récupérer pour le cube, c'est extrêmement gentil. Écoute, Val, je te remets, tu me remets ce le premier paquet. D'accord. Je te laisse ouvrir. Donc du coup, bah, on les ouvre comme ça et on vous les montre à chaque fois. On vous les montre après. On les montre après ou pas? Ou une à une? Une à une, je pense. Mais il me semble que Démon Blanc m'avait dit... il y avait plusieurs pochettes, plusieurs cartes dans une pochette, je crois. Donc du coup, tu vas montrer, enfin, tu vas falloir les sortir pour les montrer. D'accord. Dans tous les cas, ça reste des cartes qu'il y a dans notre cube. Donc, du coup, ça reste des cartes qu'il y a dans notre cube, donc c'est devinable. Ah, hein, si c'est des cartes qu'il y a dans notre cube, qui ont été tes débuts en EDH, on peut essayer de les deviner plus facilement déjà. Alors déjà, je montre ça. Déjà, très très belle pochette. Voilà. Je pense que tu peux montrer toutes les pochettes. Elles sont toutes différentes. Ah, d'accord, des petits poneys. Ah, bah, je coup, ne savais moi, pas, je mais je me suis spoilé, du coup. Cool. Ah, tu te spoiles un peu. Ah ouais, bah je suis ah, bien spoilé. Je me spoil aussi, du coup, puisque... d'accord, puisque donc du coup, je sors les cartes. Incroyable. Sors donc, vas-y, je te garde les autres si tu veux. Ah non, toi, je regarde pas. Non, mais j'allais pas regarder. Tu touches à rien, toi. Donc, plusieurs cartes dans une pochette, sinon ça augmentait le poids. Ah d'accord, pas de soucis. Déjà, ça, c'est sympa. Déjà, c'est sympa. Ah, ça, c'est très sympa. Ah, ça, c'est très sympa. Et ça, c'est une de mes cartes préférées qu'il y a là. Donc, ouh, merci énormément. Incroyable. À Démon Blanc, Alphi. Je ne sais pas comment tu préfères qu'on t'appelle, mais incroyable, merci. Ça, et je valide cartes préférées très très fort parce que j'ai joué à Animar et que. Bah, L'Elfonate voilà. Quand on joue à Animar, on joue Elfonate. On joue ça fort. Sinistrix, la carte des Legacy. Ah. Ouais. Ah, j'adore aussi cette carte. Non, c'est Sinistre Strix. Ah oui, Belleful, c'est en anglais, c'est Belleful Strix. Incroyable. Et ça, l'une des cartes préférées de PL, ouais. Le Huntmaster de la Lande, c'est ça? C'est ça. Chasseur de la Lande. Trop beau. Très très beau. En foil édition. Je crois qu'on va te dire merci un million de fois. Donc, et que ça n'hésite soit... pas à retourner, parce qu'il y a deux faces à cette carte. Oui, c'est vrai. Ah bah oui, mais je suis con. Et du coup, voilà, de l'autre côté. Désolé, c'est un poil flou, mais si jamais je la mets nette, la carte, c'est nous qui allons être flou. Donc, bonjour peut-être... à tous ceux qui rejoignent. Pour que ça soit plus agréable au niveau de l'ouverture, on te remercie un million de fois maintenant, voilà. Et on te remerciera merci. Un million de fois après. Après. Mais merci énormément. C'est ouf, tu es notre plus gros contributeur, je crois. Alphi, c'est l'actuel des mondes anciens. Ok, ça marche. Et c'est un régal. Que les gens aient plaisir, participé ouais. À ça, qu'ils participent à notre cube comme ça, c'est un truc de ouf. On est toujours étonné. Il y a plein d'autres gens qui ont participé, qui nous ont envoyé vraiment de la très belle magie. J'ai tweeté la plupart des envois. Et franchement, tous, c'est ouf, quoi. Oh. Ouh, la coquine. Ça, c'est... On jouait ça? On a joué ça, ouais. Ah, et ouais. On gagnait avec ça. Non, oh. Mais, oh. Très, très, très beau. Côte du marteau, voilà, je spoil. Mais attends, oh. Mais en plus... il fait ça, il très, fait très, ça bien. Très, très bien, quand même. Il fait attends, ça très, très bien. Montre, merci, ce nom est déjà appris. Je vous montre. Flame Slash. Flame Slash. Très, très fort. Azolette. Oh, il y a un côté... Ah, mais c'est que des cartes rouges. Je viens de capter. Ah. Ah, astucieux. La machina. Et là, ce qui est très très... Putain, je bug. Ah, c'était que des cartes multicolores avant. Ce qui est très stylé. Il a vraiment mis ensemble, c'est trop fort. Ce qui est très stylé, c'est que le mec nous donne Côte du marteau, donc déjà, foil. Et le mec est bon.
l'emblème. Il a tout pensé. Là, on voit que il le a type, tout pensé. Les gens sont là, bah lui, il est quand même un petit peu plus au-dessus. Il est au-dessus. Mais t'es fou, mais dis-moi, t'en faisais plus rien des Mont Blanc de ces cartes, tu les jouais pas? Ah oui, et mon préféré, hein, bien sûr, c'est un Undaretti. C'est un pape tronc, un pape sans jambes. Oui. Et ça, c'est très très bien. Un pape gobelin sans jambes. On a toujours un ami qui adore jouer à Daretti. Il est toujours là. Il n'est pas vivant. Et il n'est pas mort. Qui croit fort à Daretti. Ouais. Qui croit fort à Daretti et qui se met à parler italien dès qu'il joue Daretti. Parce que je pense que Daretti est effectivement italien. Vu que c'est un pape. Eh oui. Qu'est-ce qu'il fait sans plus de. Ah, j'adore. Le master des Mont Blanc. Ah, bah oui. Mais t'es un monstre, mec. C'est ouf. Même les modos ne savent pas qu'elles sont foils. Ah, d'accord. Ah, c'est vraiment la coquinerie jusqu'au bout. Oh, bah ça. Ça fait plaisir, ça ouvre un archétype dans notre cube qu'on n'avait pas encore disponible. Ça, c'est bonne bête. Hein. Ça, c'est bonne bête, surtout que, bon, voilà, on peut fetcher, on peut faire des trucs. Ça, c'est très bonne bête. Ouh. Ça, c'est très très bonne bête. Oh, la travailleuse de l'ombre. Ça, c'est, tu sais que ça, c'est notre carte tech, ça. Ah, ça, c'est la carte tech qui fait plaisir. Et c'est un malade, il régale. Il régale, c'est vraiment. T'es un fou. Et du coup, il rend un archétype viable. C'est vrai que quand on faisait notre cube en stream, on ne jouait jamais la couleur verte parce qu'elle était un petit peu faiblarde. On n'avait pas encore récupéré les bonnes cartes vertes, même si on avait quand même récupéré un Tarno. Mais ça rend pas du tout couleur verte viable. Ben même, c'est pas du tout dans l'archétype pour le coup. Et en fait, du coup, là, il nous a envoyé une bonne base verte quand même. Donc, ça, typiquement. Avenger of Zendikar. Si on a envie de réanimer ça, c'est pas trop mal. Après, c'est mieux de ramper quand même. C'est quand même mieux de ramper pour le mettre. Ensuite, ça, c'est pareil que c'est bien contre aggro. Thraktusk. Il y a eu. Moi j'ai joué au standard où Thraktusk existait. Horrible. Horrible. Horrible, horrible, horrible. On blinkait ça avec l'ange de la restauration. Oh là là. Dégueulasse. C'était merci, beau. Blurry FR pour la belle magie. C'était beau. Alors, ça, c'est une carte que j'ai beaucoup joué en EDH. Très fort. Très, très, très fort. Hop là. Et ça. Ça nous parle directement. Ça, c'est le cœur, ça. Nous, ça, on l'a renommé comme ça, parce que c'est nous qui l'avons appelé comme ça. C'est la travailleuse de l'ombre. Parce qu'on l'a beaucoup joué en standard. Ouais. Donc, je vous montre le derrière, bien sûr. Oh, tout de suite. Tu montres le derrière de Nissa, voilà. Exactement. Tu lui soulèves la robe. Ouais. Allez, hop. Et donc là, un petit Garruk, très sympathique. Et derrière, le copain Garruk. Et tu peux montrer l'autre face de Garruk. Ah oui, c'est vrai qu'il y a deux. Parce que c'est un Garruk qui se retourne et qui devient très énervé. Donc voilà, l'archétype vert déjà qui a pris un up de dingue. Encore une fois, merci. Franchement, merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Tu es un dingue. C'est cool, c'est très très cool, merci beaucoup. Je parie sur une Alluren dans le pack. Écoute, Majnus, ce n'est pas dans le cube, donc je suis pas sûr. C'est quoi Alluren? Alluren, c'est la carte qui permet de faire combo en Legacy et en EDH, qui dit que chaque joueur peut jouer les cartes qui coûtent 3 ou moins en créature de leur main sans payer leur coup de mana. Et en flash. Et en flash. Ah ouais. Ça te permet de partir en combo, de faire de la belle magie. Ah bah oui, on va le faire à partir de maintenant, le captain. Je peux t'assurer, des Mont Blanc, que nous, on fera honneur à toutes tes cartes, qu'elles seront toutes utilisées dans notre cube et qu'on essaiera de faire un maximum de belles magies avec. Vous avez vu, on fait des streams sur notre cube, donc on va vraiment essayer de rentabiliser un maximum. C'est pas quelque chose qu'on va garder dans notre coin. J'adore ce petit chose. C'est vraiment trop fort. Quand tu vois les équipements qui existent maintenant, tu te dis ça, c'était vraiment ok. C'est forcément moins bien. Ok. Ah, donc on a les artefacts là. Yes. Ça aussi, ça commence à rendre un archétype viable. Parasite du rebut. Et tu vois, c'est incroyable qu'il nous donne ça, mais je suis très content de plus voir la carte sur Magic Arena. Et presque ça m'énerve. Tu vois, ça me rappelle un truc. Et ça, c'est beau. C'est vrai qu'on met ça dans le cube. Et on est coquin. C'est dégueulasse. Hein. Ah, on est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc, du coup, regardez donc. Alors, regardez donc un peu. Voilà, Syndos. Est-ce qu'on a fait mieux, à part les épées et JT du Mezawa, que ce petit Syndos? Franchement, bien. Pour 1, vous la posez. Pour 1, vous l'équipez. La créature équipée a plus 2, plus 0. C'est tout. Tranquille. Je suis désolé, Yunoldushi, si tu comprends rien à ce qui se passe vu que tu débutes, mais là, c'est Démon Blanc qui nous a demandé d'ouvrir en live et avec toute la belle magie qu'il nous a envoyée. Ah, mais il y a Modo qui répond et tout, ils sont merde. Je ne peux pas lui refuser ce truc parce que là, il vient de nous rajouter un up de ouf dans le cube. Ah, mais là, c'est, je sais pas combien de cartes on doit être à 2/3 du cube maintenant, du coup, entre ce qu'on a récupéré et ce qu'on nous a envoyé. Ouais, on doit pas être loin. Ça rend l'archétype d'Areti viable. Ouais. Enfin, ça, en partie, ça le ça déjà, l'augmente. Avoir d'Areti, ça le rend existant. Oui, ça le rend et là, existant. Et là, ça commence à le rendre viable. Exactement. Parasite du rebut. Et ça, la coquinerie incarnée. La Winter Orb. La carte dégueulasse. La alors carte ça, dégueulasse. Pour les débutants, juste ne jouez jamais ça. Dis ce que ça fait. Du coup, on explique à ceux qui ne connaissent pas alors, les cartes de Visu. Alors en fait, les joueurs ne peuvent pas dégager plus d'un terrain pendant leur phase de dégagement. Partout. Ah, si, ça me fait penser, Mr. Jack dit Batcrâne comme équipement. Effectivement. Oui, Batcrâne. Et mais... Pince-Crâne aussi. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est la même époque, Pince-Crâne, que Syndos. Également, que les deux cartes qu'on a montrées juste avant, donc Gilded Lotus pour 5, bah, vous connaissez, c'est celle de Dominaria. Vous ajoutez 3 manas d'une seule couleur à votre mana pool quand vous l'engagez.
et la sphère de bataille Mir, une 4-7 pour 7. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous créez 4 jetons créatures 1-1, un color Mir. Et à chaque fois que la sphère de bataille Mir, donc cette carte attaque, vous pouvez engager X Mir dégagé que vous contrôlez, et elle gagne plus X plus 0 et inflige X blessure au joueur défenseur. Donc en gros, vous saucez avec une 8-7 à chaque tour et vous infligez 4 dégâts. En plus, l'état de la Winter Orb est Kali. Parfaite quoi. Elle n'a pas été croquée, Val. Elle va très bien. Elle n'a pas eu le temps. Ah, je peux pas la manger. Pourtant, c'est un ours, donc moi je mange. Mais non, l'ours mange déjà. Ce serait trop de. Moi, ce serait une chaîne alimentaire trop directe. Et pourquoi Winter Orb, c'est horrible? Parce qu'il est à l'origine des. Enfin, la vraie origine, c'est Stase, mais il est dans l'idée des decks, ce qu'on appelle prison. Les decks prison, c'est les decks qui vont empêcher l'adversaire de jouer. Donc en fait, vous allez gagner parce que l'adversaire ne peut plus jouer. Et du coup, c'est des mécaniques qui sont vraiment détestées par la majorité des joueurs. Sauf Kyo, d'ailleurs, qui nous dit que du coup, il n'avait pas d'amis pour ça. Et c'est l'histoire de Magic. Incroyable. Et il reste encore 3... encore. Ça n'a aucun il sens. Il en reste 2 autres. Et là, du coup, bah, de la belle magie, en plus, c'est les originaux. Ouh, de la quand très j'ai, belle magie. Quand j'ai commencé à jouer, à comprendre à les formats. Très belle magie. Très belle. Et ben voilà, triple belle magie qui fait très plaisir. Et du coup, pour ça ceux fait qui qu'on a 5 Ravland. Pour ceux qui aiment jouer Mardu. Dans le cube. Ah, exactement, bien voilà. Vu. Bien vu l'aveugle. Donc ce sont les Ravland que vous voyez dans Ravnica à l'heure actuelle, sauf que c'est les anciens dessins et les deux bicolorités qu'il n'est pas encore voilà. Dans Magic Arena. Et celui-là est de première édition, ce n'est pas le reprint de Return to Ravnica. Très beau, très très beau. Franchement, bah déjà merci énormément à Alfie des Montblancs, ça fait vraiment très plaisir. J'ai joué avec mon EDH Kalia contre un grand arbitre Winter Orb. Et voilà, Gérard Castemaison, j'ai des mots malgré tout, bien joué. Merci beaucoup à lui, ça fait vraiment très plaisir. Salut à tous ceux qui nous rejoignent, 113. On fait une petite ouverture pour débuter ce stream d'un colis après, que nous envoie un abonné dans sa grande générosité. Et après, on ira jouer. Oui, les Dragon Shields sont très bien, Hugo Kogu. Moi, je recommande, c'est ceux que j'utilise. Je recommande à 100%. Voilà. Je sais qu'il y a la version. Alléluia, les protège cartes japonais qui sont très bien aussi. Il y a la version ultra. Enfin, les versions. Enfin, pas low cost, justement l'inverse. Kali de Ultra Pro aussi, les Eclipse qui sont bien. Ah, je connais pas Eclipse. C'est, je crois que ça n'existait pas quand on jouait. D'accord, c'est nouveau. C'est Eclipse ou Ellipse, je sais plus. Enfin, en gros, c'est les Ultra Pro Kali quoi. Vais-je y arriver, Val? Et je sais pas. Ah, du coup, deuxième vague, c'est pour toi. Deuxième vague, c'est pour moi. Enfin, c'est pour nous, pour vous. C'est pour tout le monde. C'est emballé de façon Kali. Winter Guédon, meilleur deck de l'histoire. Oh, déjà une très belle carte. Et on voit qu'il y a un gros paquet de cartes. C'est ceci. Oh, j'adore. Écoute, je ne vais pas me spoil, je vais juste regarder. Bon, voilà. C'est encore. Enfin, c'est les plastiques My Little Pony pour les 5. Il est fou. Eclipse. Alors. Les plus résistants à skip, nous dit Kyo. Bah voilà. Écoute, je vais commencer par. Je les étale comme ça, je commence par celui-là parce que je l'ai vu. Ok. Hop là, je regarde les petites cartes. Donc il y en a plusieurs, hein, regardez. Je vais essayer de les faire sortir ces maudites cartes. Je suis tellement hypé, c'est incroyable. J'en tremble. Tu sais que j'ai l'impression, genre c'est mieux que d'ouvrir une boîte. Ah bah oui. C'est ouf. Bah 100% de cartes qu'on recherche. Ouh! Il y a un petit truc qui brille là et qui est Planeswalker à la fin. Un Planeswalker brillant. Oh bah ah voilà, bah le copain. Je me suis spoil parce que j'ai pas réussi à le. T'as pas réussi à le sortir. C'est pas grave. Donc là on est sur du bleu. Du coup. Ouais. Belle non. Couleur s'il en est. Un haut, oh, à chaque fois je vois la carte d'après. Contrôle Magic. Et pas Contrôle Magique. Pour 4 mana, un enchantement aura, vous enchantez une créature, vous contrôlez la créature enchantée. Donc vous volez une bête. Vous enchantez une bête, vous la volez. Tout simplement. Très très bien. Une. Oh, Remand. C'est ce qui arrive après. Contre sort à 2 mana, qui dit que vous contrez le spell ciblé. Si il devait être contré de cette manière, à la place de le mettre au cimetière, mettez-le dans la main de son propriétaire. En fait, vous bouncez le sort. Et vous piochez une carte. Vous pouvez bouncer votre propre sort par exemple si jamais pour le récupérer il était contré, et voilà. Très fort. Oh, ça c'est mon bébé ça. Ça c'est ton bébé ça. Ça c'est voilà. Mon bébé. Ah, ouais. Meilleur alors, investissement que j'ai fait de ma vie. Inkwell Léviathan. À chaque fois on réagit pour la carte d'après. C'est pas lui mon bébé. Enfin lui c'est un beau bébé aussi. C'est un beau bébé mais c'est pas lui c'est ton pas bébé. Le mien. Pour 9 mana. J'aurais eu du mal à l'accoucher celui-là. Ah ouais, je comprends. J'adore le dessin, très vieillot et tout, enfin, magnifique. Ouais. 7 11 piétinement traverser des îles et l'un seul. Donc elle ne peut être la cible de rien et traverser des îles, ça veut dire que si le joueur défenseur contrôle une île, hop là, vous pouvez le saucer gratuitement. Il ne peut pas le bloquer. Oh ! Ah bah tiens, un de nos abonnés. Il est trop bien. Ah oui c'est... Ouais. Ah bah il va être content. Regardez ça. Regardez, ça c'est le bébé de Val, Jace, prodige de Vryn. Une créature pour 2 mana, 0-2. Vous l'engagez, vous piochez une carte, puis vous discardez. Et si il y a 4... Non, 5 cartes ou plus dans votre cimetière, vous le retournez et il devient...
ce Jace là, Planeswalker. C'est mon playmat. C'est ton playmat, ouais. C'est mon playmat et c'est surtout Jace, le plus beau des standards qui existait pour ma part. Télépathe déchaîné, je crois, libéré. Et ouais. Et qui peut faire plein de belles magies, voilà. Il arrive c'est à 5. Le deck Rally Compagnie avec ça ouais, bien sûr, je peux rappeler. Ouais. Jusqu'à une créature à moins 2, moins 0 jusqu'à la fin du tour en plus 1. En moins 3, ça fait Snapcaster aux réunions d'émission, en gros. Et en moins 9, vous avez un emblème avec à chaque fois que vous castez un sort, l'adversaire se meule de 5 cartes. Salut Garp, notre opening, c'est Démon Blanc qui est un abonné qui nous a envoyé plein de cartes pour notre cube. Mmh. Et en fait, et qui fait très plaisir. Son lot Merci est tellement beaucoup. Incroyable, il nous a fait tellement une donation énorme qu'il nous a demandé de l'ouvrir en live. Et donc du coup, bah, on lui fait cet honneur parce que lui nous a fait l'honneur de nous donner tout ça. Jace Sauté, qui est sur le chat là, de toute beauté, il nous dit, bah oui, de toute beauté, c'est toi Jace, comprends-tu seulement ? Jace, architecte des pensées. Tu as transplané dans l'enveloppe de Démon Blanc. Hop, il est là, c'est un viewer, ça va ? Rencontre abonné en live. Pour 4 mana, il arrive avec 4 marqueurs loyauté. À l'époque, c'était rare d'avoir autant de marqueurs loyauté que son coup. Plus 1 jusqu'à la fin de votre prochain tour. À chaque fois qu'une créature ou qu'un adversaire contrôle vous attaque, elle gagne moins 1, moins 0 jusqu'à la fin du tour. Eh, j'avoue, c'est pour moins 2, vous révélez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Un adversaire sépare ses cartes en 2 tas. Mettez l'un des 2 dans votre main et l'autre en dessous de votre bibliothèque. Pour moins 8, pour chaque joueur, cherchez dans la bibliothèque de ce joueur une carte non-terrain et exilez-la. Puis ce joueur mélange sa bibliothèque, vous pouvez lancer ses cartes sans payer leur coût de mana. Donc vous allez prendre dans votre bibliothèque, dans la bibliothèque adverse, une carte, vous la jouez. Et on finit sur Tezzeret, le chercheur foil. Le petit Tezzeret. Regardez ça, magnifique. Le grand Tezzeret. Grand Tezzeret. Oh, il est un peu flou comme ça, regarde. Et c'est que le premier plastique. Regarde, on dirait qu'il scintille. Non, mais attends, c'est que le premier plastique du deuxième pack. Il y a un troisième pack. Et un troisième pack. C'est fou. Voilà, je m'évanouis en fait. C'est pas bien. Tezzeret. Tu es fou, Démon Blanc. Pour 5, il arrive à 4. Plus 1, dégagé jusqu'à 2 artefacts ciblés. Moins X, allez chercher un artefact qui coûte X ou moins et mettez-le sur le champ de bataille. Moins 5, tous les artefacts que vous contrôlez deviennent des créatures 5-5 jusqu'à la fin du tour. Voilà. Il est où le plastique ? Il est là-bas le plastique. Là-bas. Ouais, j'ai tout remis bien quali. C'est marrant, le 2 a déteint sur le plastique. C'est vrai. Je fais ça quali, hein. Excusez-moi du peu. Ouais, en plus, tu vois, il nous a fait un petit jeu de... Et merci beaucoup. Merci Space à Space Dead One. Voilà. Merci. Il nous a fait un petit jeu de piste, un peu ça et tout. Hop, je prends la deuxième, voilà. Allez, prendons. Oh, ça commence c'est stylé. Très joliment avec une mère des runes. Une Mother of Runes. Pour un mana blanc, c'est une 1-1 qui dit que quand vous l'engagez, la créature ciblée a la protection contre la couleur de votre choix jusqu'à la fin du tour. Donc, effet très fort. Tu peux nous rejoindre, Gart. Alors, regarde, ils t'ont linké le lien, les modos. Viens sur le Discord, tu vas voir. Tu vas kiffer. Donc, la mère des runes. Donc là, on est sur du blanc, je crois. Ah, je vais peut-être révéler comme ça on a la surprise en même temps que les viewers. Hop. Oh, le petit Kitéon. Oh, Kitéon. Ça, c'est le copain à bébé Jace. Kitéon, héros d'Akros. Mais ils ont tous été réprints, je savais même pas. Oui, je pense qu'il y a une édition. En fait, tout ce qui était double flip. Ah, d'accord, ok. Alors, tac, Kitéon, héros d'Akros. C'est une 2-1 pour 1. Quand elle attaque avec deux autres créatures, merci vous beaucoup, pouvez la retourner en bon Gideon. Et également, vous pouvez payer 3. Pour qu'elle devienne indestructible. Et quand c'est en forme de Gideon, magnifique, il fait beaucoup de belle magie. Il arrive avec 3 marqueurs loyauté. Et voilà, ça doit être un From the Vault. Ouais. Jusqu'à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle doit attaquer Gideon. C'est ça. Plus 1, jusqu'à le prochain tour, ta créature devient indestructible dès taper cette créature. Et pour 0, comme tous les Gideons, ça devient une créature 4-4 indestructible, qui est toujours en Planeswalker, et vous prévenez tous les dommages qui devraient lui être infligés. Tac, ensuite nous avons... Ouh, très très beau. Ah j'adore. Ouais, From the Vault, qui se retourne du coup. Donc je la prends pour ne pas spoiler. Archangel... Excusez-moi, je tout saute. Est-ce que quelqu'un peut expliquer Archangel à Mordenkainen ce qu'est un cube, vu que là je ne peux pas l'expliquer pendant vous que vous êtes 140, merci énormément. Qui se retourne également. Hein. Bon, on retourne pas à Vacine. Hein. On lui demande d'abord. C'est Démon Blanc qui nous a envoyé ça à Gwenao. Du coup, Archangel à Vacine pour 5, c'est une 4-4 Flash Fly Vigilance. Donc déjà rien que ça, c'est fort. Beaucoup. Hein. Quand ça arrive sur champ de bataille, toutes les créatures que vous contrôlez ont l'indestructible jusqu'à la fin du tour, y compris elle. Quand une créature non-ange que vous contrôlez meurt, vous transformez à Vacine au prochain entretien. Et quand vous la transformez, ça devient une 6-5 Fly qui dit que... qui inflige pardon 3 dommages à toutes les autres créatures et à chaque adversaire. C'est une de mes cartes préférées également. J'y pense pas souvent, mais j'adore cette carte. J'adore parce que ils ont laissé les artworks d'origine et ça fait super plaisir. Alors, d'habitude dans les From the Vault, ils ont tendance à travestir des fois l'artwork de base et c'est rarement mieux que l'original.
Et là, ils ont réussi à garder l'original et ça fait grave plaisir. Ouais, j'avoue, c'est Noël avant l'heure là. Merci vraiment énormément à tous. Mais je pense qu'on n'aurait jamais réussi à récupérer tout ça en aussi peu de temps. Franchement, c'est dingue. Retour vers le néant, c'est ça ? Voyage vers le néant. Ouais. Pour deux manas, vous exilez la créature ciblée jusqu'à ce que. On a rarement fait mieux. Ça quittioche en bataille. Et dernière carte blanche. Ah, Lingering Soul. Ah, Lingering Soul. Ah, je ne connaissais pas ce dessin, tu vois. Ouais, ce dessin qui est magnifique d'ailleurs. Pour 3 mana, vous mettez 2 jetons vol esprit sur le champ de bataille et vous pouvez le flashback pour 2 mana dont un noir. Donc très très cool. Et il en reste encore, dis donc, c'est dingue. C'est un peu ça, Garth. En fait, tu fabriques ta propre collection pour pouvoir jouer en limité avec. En fait, tu choisis, tu fais un peu ton édition en jouant les meilleures cartes qui te plaisent. Tu essayes de créer des archétypes, donc c'est-à-dire différents decks. Tu mélanges tout et ensuite tu fais ou un draft à 8 ou un scellé à 4 avec. Alors nous, le but c'est de faire si avec la taille la plus petite. Si tu prends la taille la plus petite du cube, donc nous 360 cartes. Et en fait, avec ça, du coup, tu peux jouer à 8 ou à 4 et tu peux essayer de faire un maximum de belles magies. Je vois qu'il y a un emblème, ce qui sous-entend deux emblèmes. Deux emblèmes. Non, ou deux tokens. Ou deux tokens, deux tokens. Ne sais pas. Et on commence avec. Et je vois pas. Ah, la Wrath of God. Wrath of God. Wrath of God, dessin très très beau, où c'est Dieu Helios qui en a marre, je crois. Tu l'avais pas ce. C'est un From the Vault Annihilation, ça. Ah, exactement. Tu l'avais. C'était tout détruire les terrains. Ouais, c'était non, pas toi qui l'avais. C'était pas toi qui l'avais, ok. Ça doit être notre ami Mister Jack. Mister Jack, c'est possible. Donc pour 4, vous détruisez toutes les créatures, elles ne peuvent pas être régénérées. Donc très fort. Ensuite, on a. Ah, j'arrive pas à voir. Attends, qu'est-ce ? Day of Judgment, Destroy All Creatures avec un dessin. Eh ben oui. Ouh. Très très très. Alors, beau. Ça pour le coup, le dessin est supérieur c'est à l'original. Biobox, je crois. Je crois Magnifique. Que c'est Biobox. C'est le Biobox ? Regardez, il y a les symboles de mana là. T'es sûr ? Fais voir l'édition. Mais en fait, ça, je crois que c'est Biobox. Waouh. Et c'est marrant, c'est Zendikar. Je savais même pas qu'à Zendikar, ils avaient réédité ça, tu vois. Mais c'est la première édition de Day of Judgment, non ? Ah bon ? Je crois. Ah, je sais pas moi. Incroyable. Ensuite, nous avons. Oh ! Oh ! Elspeth, c'est la copine. Elle est foil. Elle est foil. Ça, on l'a joué, ça. Ah, ça, on l'a joué. Et du coup, oh, ben l'emblème d'Elspeth. Trop bien. Et un autre emblème d'Elspeth, merci beaucoup. Trop bien. Donc ça, après, je me souviens, je les avais achetés en italienne. Ah ouais. Ça coûtait moins cher. Elle s'appelait comment déjà en italien je sais plus. El Campeon del Soleil. Ah ouais, del Soleil. Campeon del Sol, je crois. Ah, je crois. Ouais. Je sais plus. Et c'était pas très beau, du coup. Mais on aime bien le français, c'est bien quand même. Ou l'anglais. Ou l'anglais. Elspeth Sun's Champion. Donc pour 6, elle arrive avec 4 marqueurs. Plus 1, vous mettez 3 tokens sur le champ de bataille tout de suite en plus 1, qui sont soldats. Pour moins 3, vous détruisez toutes les créatures qui ont 4 de force ou plus. Et pour moins 7, vous avez un emblème avec les créatures que vous contrôlez ont plus 2 et le fly. Il reste encore tellement à ouvrir, c'est incroyable. Donc c'est trop fort. Et écoute, Zen Zero le bon, on ouvre le colis d'un abonné qui nous a fait don de ses cartes pour le cube. Mais ce livre, je les mange. Et, c'est bon. Et ensuite, après, on ira faire de la belle magie sur Magic Arena. Ah ben merci beaucoup pour le code Bojo qui fait plaisir. C'est ça, Remember Abzan de Tero Starkier, tu as tout compris Aspirine. Ah oui, c'était la belle époque. Campeón del Sol, c'est d'espagnol, exactement. Ça passe. Échec. Ça passe, ça passe. Échec de la mission. Hop là, je les prends. Oh là, j'ai une tension là. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. T'es tendu. Hein. Ah, je suis tendu. T'es tendu, t'es tendu, t'es tout tendu. Un petit token du coup. Un petit token là. Oh, le Shriekmo. Oh, le beau Shriekmo. Hurlegueule. Ça, c'est de la belle magie, ça. Hurlegueule pour 5, 3-2 qui a la peur. Ça, c'est les cartes de DH. Je sais pas ce que c'est, la peur. Ah, mais nous, on sait. La peur. Oh, j'avais jamais regardé le dessin. Il est vraiment très beau et très laid. Ouais, mais j'adore. La peur, c'est qu'en fait, la créature qui a la peur ne peut pas être bloquée, excepté par des créatures artefacts et ou des créatures noires. En vrai, c'est même pas important qu'il ait ça, quoi. Non, mais ça fait plaisir. Ouais, ouais. Ça peut saucer aussi. Quand le Hurlegueule arrive sur le champ de bataille, détruisez la créature non artefact, non noir ciblée. Un petit peu comme le Chupacabra, n'est-ce pas ? Avec des conditions. Et vous pouvez l'évoquer. Pour 2. Voilà. Évocation, c'est-à-dire que vous jouez la carte pour son coup d'évocation, mais quand elle arrive sur le champ de bataille, elle est sacrifiée tout de suite. Mais elle fait quand même son effet d'Hunter the Battlefield. Donc du coup, quand vous posez l'Hurlegueule pour 2 manas d'évocation, vous détruisez une créature. Non noir, non artefact, bien entendu. Ensuite. Hop ! Oh, le petit Grave Crawler. Pour l'archétype noir aggro, du coup. C'est ça, Rampeur des Tombes pour un mana noir 2-1 qui ne peut pas bloquer, mais on peut le lancer depuis notre cimetière tant qu'on contrôle un zombie. Donc, ça, c'est super cool. Et après, je crois, dernière carte noire avec le token. Oh, mais c'est une très belle Liliana. Celle-là aussi, on aimait. Hein. On aimait bien, beaucoup. Ouais, c'est ça. Après, c'est l'emblème de Liliana. 2-3 pour 3, on adore. 2-3 pour 3.
lifelink quand une autre créature non-jeton arrive sur le champ de bataille. Non, quand une autre créature non-jeton meurt, vous exilez Liliana et vous la transformez en fait comme ça. Et en même temps, vous créez un jeton zombie de 2. Et quand elle est comme ça, elle est cool déjà. La belle magie commence. La belle magie commence. Pour plus 2, chaque joueur se défausse d'une carte. Ça rappelle un petit truc. Pour moins X, vous reprenez un permanent non légendaire. Enfin, vous le ramenez du cimetière sur le champ de bataille qui coûte X ou moins. Et il arrive à 3, je sais pas si je l'ai dit. Et pour 8, vous avez un emblème avec à chaque fois qu'une de vos créatures meurt, retournez-la sur le. Enfin, remettez-la sur le champ de bataille à la fin de votre tour. Et le petit. Très bon carte. Ça me fait extrêmement plaisir de retrouver la Liliana, la Jace et le Kitéon de l'époque Magic Origins, parce qu'on a beaucoup joué sous ce standard-là, on a beaucoup joué à Magic Origins, on a beaucoup drafté. C'est des cartes qu'on a beaucoup joué, pardon, et qui nous parlent beaucoup du coup. Merci. Ça nous fait extrêmement plaisir. Encore une fois, ça fait très très plaisir. Et là, on arrive sur, je suppose, les cartes vertes ou les cartes artefacts, puisqu'on a fait. Ah non, il y avait deux blanches. Eh ouais, non, mais je sais pas du tout. Ce n'est pas comme ça. Donc je ne peux rien supposer. Attention Val. Oh là, il y a une carte vieille. Oui, il y aura des cartes vieilles à gagner, bien sûr. Il y a une vieille carte. Ah oui, là, ça c'est ici, du vieux même. Et un petit peu misprint, regarde. Ouais, mais toutes les vieilles sont un peu comme ça. Hop là. Oh, Living End. Living End. Living End pour 5 mana. Living Death, pardon. Living Death. Pour 5 mana en sorcerie, chaque joueur exile toutes les créatures de son cimetière, puis sacrifie toutes les créatures qu'il contrôle et met toutes les créatures qu'il a exilées sur le champ de bataille. Ça se joue en fait dans un deck où vous allez vous meuler, puis jouer ça. Et en gros, comme votre adversaire aura moins de cartes, voire 0 cartes au cimetière de créatures, vous allez tout détruire, donc ces créatures, et vous mettez les vôtres de votre cimetière. Trop fort. Ensuite. Oh, Démonic Tutor. Oh, le petit Démonic Tutor. Très très bien aussi ça. Vous n'avez pas reconnu. Excellent. Pour 2 mana, vous allez chercher dans votre bibliothèque une carte et vous la mettez dans votre main. Deuxième meilleur tutor du jeu. Ensuite. Hop. Nécromancie. Alors avec ça, tu veux expliquer parce que c'est un peu long, Nécromancie. En gros, je vais faire très très rapide pour 3. Quand vous jouez la Nécromancie, vous pouvez récupérer une carte dans un cimetière, même le cimetière adverse, et ça vous permet de la réanimer. Ça vous permet en fait de jouer une carte de n'importe quel cimetière et de la mettre sur le champ de bataille pour 3. Et vous pouvez le jouer en éphémère. Sauf que si vous le jouez en éphémère, la carte elle se sacrifie à la fin du tour. Ouais. Voilà. Donc c'est de la belle magie et ça se couple avec cette autre belle magie qui rend un archétype viable, qui s'appelle Animal Dead, ça fait la même chose que la nécromancie pour 2, sauf que vous pouvez pas le jouer en éphémère et vous devez forcément le prendre de votre cimetière, je crois. Non, Any Graveyard, pareil, vous pouvez le prendre dans n'importe quel cimetière. Choisi. Alors ça, ces deux cartes, ça ouvre un archétype et ça ouvre, comme je le dis, le champ des possibles. Il ne manque que en tombe, je crois, pour et Grizzlebrand. Ouais, mais sans Grizzlebrand, tu fais déjà de la belle magie. Ouais, mais c'est moins fort. Mais oui, c'est ouf. C'est ouf, ouf, ouf. Parce que le but de réanimer, c'est de réanimer. Gagner. Et merci à Alien Sova. Alien Snova. Du coup, on est sur le dernier pack. Incroyable. Dernier pack. Alors du coup, là, il y a un petit jeu de devinette ou tu veux le faire dans le chat? Ou c'est dans le pack qu'il y a un jeu de devinette? Ah, ils sont là. Je croyais les avoir perdus. Vraiment de la très belle magie, vous êtes 141 spectateurs, merci beaucoup. Et après on va jouer. C'est ça, le combo avec Dragon à Valeur de Monde en vintage, on le connaît. Du coup, explique-nous, Démon Blanc. J'ai la troisième. Donne pas -1/-0 à la bête aussi. Oui. Ça va être dans le chat. Ah d'accord, donc attends, il faut que je l'ouvre dans le bon sens. Merde. Te spoil pas. Ah c'est bon, je me spoil pas comme ça. Tu connais l'ordre du coup? Si on commence par la dernière, du coup. Là, je suis en mode plastique de dos. Faut pas que je les retourne, c'est ça? C'était de la belle magie. Et merci à Charcot pour la belle magie. Est-ce que... Je veux savoir s'il a pas mis un papier devant ou quoi. Non? Attends qu'il nous dise peut-être. D'accord. Donc là, on est sur les dernières cartes qui sont très chères au début de joueurs EDH. En gros, j'ai pas regardé ce qu'il y a devant. Tu commences par celle-là, du coup. Les cartes sont numérotées avec un papier. Est-ce qu'on peut les regarder ou est-ce qu'on va être spoil? On peut regarder ou on va être spoil direct, Démon Blanc? Attends, j'essaye de regarder un coin. Non, je vois la carte. J'ai pas vu ce que c'était, mais j'ai vu qu'il y a la carte. Et vous voyez pas l'illustration? Ah, on voit pas l'illustration? Ah, mais on va direct comprendre si je vois le coup de mana et... Attends, je lis et au pire je te fais deviner si je vois la carte moi. Ok. Ça te va? Vas-y. Ah bah non. On peut pas. C'est la carte 1. On a la carte 1 là devant nous, Démon Blanc. On voit que c'est une carte noire. Elle est noire. Mais on ne sait pas ce que c'est.
Alors, est-ce que tu veux essayer de nous faire deviner ou on doit trouver nous? Ça va être compliqué quand même. 1993-2012. 2012. Allez, vas-y, 2012. C'est parti. On va chercher. On regarde l'extension. Toutes les cartes sorties entre 1993 et 2012. Donc là, une, c'est plus tu piques, plus tu te piques, plus tu te tues. Attends, plus tu piques, te piques, plus tu tues. On voit que c'est pas une créature. Bob. C'est Bob? Non, c'est pas possible. Non, c'est impossible. Pas Bob. C'est pas plus 2012 piques, Bob en plus. Plus tu tues. Est-ce que ce serait Bob Razowski? Est-ce que c'est le Dark Confident? Non, c'est impossible. 2012, c'est pas ça. Attends. Et en plus, ça tue pas. Plus tu te piques, plus tu tues. Qu'on jouerait, nous, hein, dans le cube, bien sûr. Dans le cube, qu'est-ce qu'il y a en noir? On joue pas... Etred, c'est bien pensé, N. Mais on joue pas N dans le cube, je crois pas. La poupée est pas noire. Non, on sait que c'est une carte noire. Merci pour la belle magie à Grouya Gaming. C'est un rituel. Un rituel c'est Ah, un Chanel Non, Chanel, c'est vert. Pas Chanel, merde. Merde. Y'a pas un truc dans le cube, on a mis ça? Ah non, on l'a enlevé. Ouais, on a enlevé Chanel. Plus tu te piques, plus tu te tues. C'est genre tu pioches. C'est nécropotence. Mais on a pas mis nécropotence. Si? On a mis nécropotence? Est-ce que c'est nécropotence? Attends, plus tu te piques, plus tu tues. Est-ce qu'on a mis nécropotence? Oui, parce après, en fait, 2012, ça peut être une réédition, en fait. C'est pour ça que ça sert à rien de regarder la date. Est-ce que c'est nécropotence? Je sais pas. Je crois pas qu'on ait mis nécropotence. C'est très dur, triple noir à jouer hein, dans un cube. Non, je crois qu'on l'a pas mis. Ah, je sèche. Pourtant, c'est dans le cube. On a le droit d'ouvrir la liste du cube ou pas? C'est triché. Non, on l'a construit, donc normalement on sait. Un rituel d'Obsidule. Plus tu piques, plus tu tues. Plus tu te piques, plus tu tues. Et c'était une créature, j'aurais dit Grizzlebrand, mais là. Donne-nous un autre indice, démon blanc. Ah, c'est trop chaud là. Un rituel. Pourtant, il y a quand même un nombre limité, il y a que 50 cartes noires. Hein. Sachant qu'il y en a plein qu'on a déjà, donc. Enfin, plein. Il y en a au moins la moitié qu'on a déjà. Qu'est-ce plus qu'on a mis dans l'archétype? Et plus tu tues. Tu perds X, tu enlèves moins X, moins X. Oh, Toxic Déluge. Oh, trop bien. Toxic Déluge. Toxic Déluge. Incroyable. Eh ouais, mais on est bête. Ah non, c'est Grizzlebrand. Bah, on s'est fait prank. Mais c'est pas un rituel. C'est pas un alors. Rituel. C'est Grizzlebrand. Et on voyait pas la petite créature. C'est Grizzlebrand. Incroyable. Incroyable. Du coup, il avait setup. Du coup, il avait setup. Et du coup, on a le Grizzlebrand. Ah, c'est incroyable. Mais du coup, on sait qu'il y a Toxic Déluge maintenant. Du coup, il y a Toxic Déluge, ouais. Ah, mais apparemment. Ah, mais c'est trop bien. Yes. Yes. Et il s'est trompé. Je me suis trompé. C'est pas grave. On a Grizzlebrand en tout cas. Merci beaucoup. Et on disait, il manque Grizzlebrand. Ben voilà. Il est là. Il y a plus. Il pense à tout. Démon blanc. Il pense à tout. Genre, le cube est fini après. MVP. Incroyable. Il nous envoyait celle qu'on avait déjà, il dit ouais, oh non, comme ça vous êtes en plus, c'est le original, hein. C'est pas un Grizzlebrand. Du coup, je vais prendre celle-ci, normalement qui est numéro 2. Numéro 2 qui est une carte noire également. Toxic Déluge. La numéro 2, est-ce que c'est Toxic Déluge du coup? Si seulement vous aviez eu Grizzlebrand pour le combo. Ah, j'avoue. Je suis bête de pas avoir pensé à Toxic Déluge, c'est tellement genre. Et j'avais oublié qu'on avait mis. En commandeur, c'est tellement la carte, tu vois. Bah ouais, qui gère tout. Ah oh là là. Ouais, du coup, c'est Toxic Déluge, je pense. J'ai un trou. On va vérifier, je pense que c'est Toxic Déluge. Y a pas de... C'est Toxic Déluge. C'est Toxic Déluge. Bah, merci. Pour 3 mana noirs. Ah oui, Grizzlebrand, pour 8 mana, c'est une 7-7 vol lien de vie. Désolé, on paye 7 cartes de vie, on pioche 7 cartes. Toxic Déluge, pour 3 mana, vous payez X points de vie en tant que coût supplémentaire et vous infligez. Enfin, vous mettez moins X jusqu'à la fin du tour c'est à toute la créature. Donc, trop fort comme anti-bête. Trop bien. On est sur là. Troisième carte, qui est encore une carte noire, donc on aurait pu se faire prank. On aurait pu se faire... Ah, mais peut-être que c'est un deck... Enfin, des cartes... Ah bah si, il vient de... Ouais, de... Non, il jouait Kalia. Oui, peut-être qu'il a commencé, il a dit ses débuts de DH. Ah, d'accord. Peut-être qu'il a commencé avec Grizzlebrand. Avec Grizzlebrand. C'était joué, hein, à l'époque. Ouais, c'était joué, tu faisais Caillou, Turbo Caillou, Grizzlebrand. C'est une carte que vous avez en proxy. Une carte que nous avons en proxy. Ah mince, elle s'est décalée. J'ai vu du coup l'édition, je sais laquelle c'est. C'est quoi, fais voir l'édition. Une carte qu'on a en proxy de Lorwyn. Ouais. Ah ouais, je sais ce que c'est. J'attends que Vol trouve, mais j'ai trouvé parce que j'ai vu le... En fait, le...
Ça s'est décalé, je vois juste l'édition et je pense avoir compris. Tu veux que je te dise ce que c'est ou pas? Attends. Je vais te le dire en italien si tu veux. Enfin, avec un accent italien. Merci beaucoup aux viewers, 151 spectateurs, c'était notre record avant le stream de ouf. C'est une Took Size? Ah, il y a une Took Size en... C'est... Ah! C'est une Took Size, gros! Et c'est peut-être un Bitter Blossom. C'est aussi dans... Non, c'est pas dans cette édition Bitter Blossom. Ah, c'est pas celle-là? Non, c'est dans le même... Tu sais, il y avait... Ah, c'est dans le... Il y a eu deux double blocs et c'est pas le... Ça, ah, c'est une Took Size, ça. Donc c'est Took Size, alors. Peut-être, hein. Est-ce que je suis bon ou pas? Oh, il est bon. Oh, c'est une Took Size. C'est une Took Size. Ah, t'es un monstre. Magnifique, avec le dessin, le vrai dessin. Pas le dessin de Teros. Ça, c'est le vrai, ça. Voilà. Pour un mana noir, vous payez 2 points de vie, vous regardez la main de l'adversaire, vous envoyez n'importe quelle carte non terrain. Vous enlevez, pardon. Trop. Ça, c'est les joueurs de moderne, ça. Ah, ouais, je me suis fait prank, tu vois. Je pensais avoir pranké, et en fait, je me suis fait prank. Trop beau. Mais t'es un grand malade, démon blanc. Je sais qu'on n'insulte pas les gens à qui on doit dire merci, mais t'es un grand fou, quoi. Encore une carte noire. Et elle est foil. Et je crois comprendre que le coup de mana est de 4. Est-ce que ce serait... De 4, une carte noire. Comment ça s'appelle, mince? Damnation. Oh. Est-ce que c'est une damnation foil, ce que je tiens dans les mains, là, que je n'ai jamais tenu dans les mains, du coup? Je l'ai jamais quitté. Ah ouais, ces idées pensées trop fort. C'est full, et ça, franchement, noir, hein. C'est, on voit que tu aimais le noir. Mon début, c'est Kalia, ok, ouais. Et franchement, ça fait extrêmement plaisir. Bah, tu veux que je te dise, regarde, yep. c'est Kev Walker ou pas? Ouais. Ah bah oui, attention. Incroyable. Oh, dingue. Oh là 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 là, oh, là, magnifique. Là là là. Et il y a un effet. Ouais, t'es un dingue. Damnation, c'est, que... c'est une de mes cartes aussi favorites. Parce c'est un que... des plus beaux dessins, je trouve. Et c'est Kev Walker. Incroyable. Un soleil noir. Et d'ailleurs, qui tue tout le monde. L'ami qui nous a fait nous rencontrer m'avait dit la même chose. Quand j'ai commencé Magic, il m'avait parlé de sa carte, il m'a dit un soleil noir. Un soleil noir, Kev Walker. Regardez ça. Incroyable. Mais tu sais, c'est simple. Destroy all creatures, they can't be regenerated. They can't be, Val. I can regenerate, they can't be regenerated, Val. They cannot be. Non. No, comme on dit en anglais. Non. Tu t'en vas et tu reviendras pas, quoi. Ah, oui, dingue. Parce que pour les nouveaux joueurs de Magic, avant, on pouvait régénérer ses créatures. C'est une capa complètement nulle, mais... Franchement, c'est fort, hein. Oui. Tu... Non. Ah, non, mais c'était fort, mais genre, je sais pas, oui, la mécanique est aux F, tu vois. Ouais, j'avoue. Du coup, on a sur la dernière carte, et je me demande ce que c'est, parce que si la quatrième, c'est une damnation, c'est quand même fou. Donc, oui, je disais, la dernière, je dirais juste une belle paire de bottes. D'accord. Une carte noire. Et j'ai très peur de ce que c'est, parce que je crois comprendre. Il n'y a pas beaucoup d'arpenteurs noirs qui commencent à 3 de loyauté. Donc là, je vais rire hystériquement. C'est incroyable. Attends, 2011. Ah, mais il n'y a qu'un arpenteur noir, gros. À 3. Non, il y en a plein, gros. Qu'est-ce qu'on joue, à 3? Ben oui. Eh ben, il y en a une qu'on a en proxy également, par exemple. Non. Je crois. Et je crois qu'arpenteur noir... C'est un truc de fou. T'es un malade. Si c'est ça, si c'est Liliana du Voile, tu es dingue. Après, si c'est pas ça, on est content aussi, hein, je te oui, le dis. Oui, on sera content. Mais t'es un fou. Mais est-ce que c'est Liliana? Parce que ça tu, je sais pas, tu te payes la moitié de ton assurance voiture, tu vois, typiquement, par exemple. Ou deux mois, quoi. Moi, c'est 2 mois d'assurance voiture, voire 3. Moi, c'est parce que j'ai une toute petite assurance, mais du coup, tu te payes la moitié de l'année quand même, tu vois. Ah, c'est dingue. Oh putain, c'est Liliana du Voile. Et tu sais qu'en plus, j'ai été magicien, j'ai joué au standard et tout, mais je suis arrivé, j'ai repris le standard après Innistrad, je n'ai jamais eu de Liliana du Voile. Montre donc cette Liliana du Voile. Voilà. Ah, c'est dingue. Incroyable. C'est dingue, vraiment ce qui se passe, la musique s'arrête et tout, parce que c'est... C'est peut-être la carte la plus chère de notre cube. Oui, c'est celle-là. C'est la carte la plus chère c'est... de notre cube. Démon Blanc, Alfie, merci infiniment. Ça, c'est... Une bonne quinzaine d'heures de travail au SMIC, quand même. Merci infiniment. Oui. C'est incroyable. Dis quand même les faits, pour ceux qui ne connaissent pas la carte. Pour 3, hein, pour pas beaucoup, du coup. 3 mana. Vous avez un arpenteur qui arrive avec 3 de loyauté, rapport qualité-prix. Hein. Ok. Pour plus 1, chaque joueur se défausse d'une carte. Donc, vous pouvez contrôler la symétrie de l'effet, bien sûr. Moins 2, le joueur ciblé sacrifie une créature. Généralement, ce sera l'adversaire, je vous le dis. Généralement. Oh merde, je sacrifie ma créature, je suis con. Moins 6, séparer tous les permanents que le joueur ciblé contrôle en deux tas. Comme ce joueur sacrifie tous les permanents dans le tas de son choix.
incroyable. C'est une carte qui est ultra jouée dans tous les formats du monde où elle est légale. C'est trop bien. C'est dingue. Et ouais, et j'ai jamais eu de Liliana du Voile. Et pourtant, j'ai eu à peu près toutes les cartes qu'on peut espérer avoir. Ça n'a aucun sens. Tu es fou. Je suis Geisho, comme disent les jeunes. En plus, bon, je sais pas s'il y a eu du reprint en Eternal Master, mais c'est celle d'Innistrad. C'est l'Innistrad première du nom. C'est celle d'Innistrad première du nom. Et ça m'a fait rire parce qu'il a dit « Désolé, j'ai joué petite bite, j'ai pas de feuille de Liliana. » Mais heureusement qu'il n'y a pas de feuille de Liliana. Oui, heureusement. Parce que sinon, fin de PL, PL meurt. En tout cas, 5 cartes noires. Je monte quand même les 5 dernières. Et du coup, le cube sera un petit peu plus fort. On sent que noir pour l'instant. Il était déjà fumé, quoi. Oui. Sans que tu aies quelqu'un de sombre, du coup, quand parce même. Parce que moi, là, je vais draft mono noir, moi. Ça va vous faire tout drôle. Ça va te faire tout drôle. Voilà. Ce que quelqu'un nous a donné. Je sais pas. Franchement, c'est incroyable. Merci énormément. Je bug un peu, excusez-moi. Tu viens en GP, des Mont Blanc. On te fasse quand même un bisou là où il faut. Non, parce que bon, c'est quand même incroyable. Tout est folle. Non, tout n'est pas folle. Non. C'est dingue. Enfin. Peut-être un peu moins en Legacy, Lapin. Oui, effectivement, c'est quand même. C'est plus, une belle main, ça, voilà. Je la garde. C'est ouf. C'est ouf. Ouais, c'est plus une carte de moderne, mais ça a quand même été joué en Legacy. Ça a beaucoup été joué dans Bug et tout. On jouait Liliana quand même en Leg. Ouais, je vous remontre brièvement. Bon, il y a plein d'autres cartes dedans également. C'est pour remontrer la carte du devant, quoi. Du booster. C'est quoi le prix de Liliana ? Ça doit être autour des 100 euros. Alors ça dépend les sites, c'est entre 100 et 130. Incroyable. Ah oui, c'est pas mal. Hein. C'est incroyable. Et ça me touche vraiment beaucoup que ce soit des cartes qui te soient chères surtout. C'est pas simplement des cartes qui ont une énorme valeur ou des cartes qu'on recherchait, c'est des cartes qui t'étaient chères, tu nous l'as dit, qui étaient là à tes débuts de l'EDH. Et nous, je peux t'assurer qu'on en prendra grand soin. Et on va faire de la très belle magie avec ça. Et du coup, c'est dingue. Enfin, moi, ça me fait extrêmement plaisir, tout ça. Enfin, c'est dingue. Je dis moi, mais Val aussi, ça lui fait extrêmement plaisir. Non, pas du tout. Moi, je m'en cague. J'aime pas la carte. Je te dis, moi, à partir du moment où j'avais jamais eu de Liliana, et c'était un petit regret, tu sais, quand t'as l'impression d'arriver, genre, 3 mois après le bon standard, tu sais. Ouais. Et j'ai fait des pauses de Magic, et en fait, j'ai pas joué au standard où il y avait Snapcaster et Liliana. Ben voilà, moi j'allais dire, c'est les deux cartes que je regrettais, c'est le Snapcaster et Liliana. En même temps, c'était le best standard ever, hein, si tu voulais juste du gros sou, quoi, entre guillemets. Enfin, c'est ouf, hein. Choqué. Je vais essayer de pas manger la mauvaise carte, effectivement, Lancelot. C'est sûr que là, je mangerai pas la Lily, quoi. Bah, du coup, Démon Blanc, merci beaucoup. Merci infiniment. Ah, il réfléchit pour venir au GP. Bah, ça ferait plaisir de te voir, franchement. Si tu passes au GP, on perd un coup, quoi. Ouais, largement. Voire même deux. Ouais. Tu veux boire deux bières ? On t'offre deux bières. On t'offre deux bières chacun. Tu veux manger un truc ? Allez, vas-y, viens. On te met Royal. Non, c'est ouf. Et c'est ouf, c'est ouf. On repasse sur l'interface. 173 viewers, merci énormément. Donc, on a fait cette petite ouverture qui a pris beaucoup plus de temps parce qu'on savait pas qu'il y avait autant de cartes. Merci à Démon Blanc de nous avoir fourni toutes ces cartes. Merci à tous ceux qui ont participé et qui participeront encore au cube parce qu'on sait qu'il y a d'autres encore colis qui arrivent. On nous a encore envoyé d'autres cartes. On remercie tout le monde en message privé. Quand on reçoit beaucoup de choses, le tweet et tout, donc vous pouvez aller voir sur le Twitter et tout. Merci beaucoup. Le Thermogoyf, on l'a acheté pour le cube justement. On l'a acheté nous-mêmes, donc on a acheté un pack de cartes. On perd aussi des cartes nous-mêmes pour le coup. Donc voilà, merci énormément à Démon Blanc et aussi à tous les autres participants. Maintenant, on va repartir sur le jeu et on va tenter de faire de la belle magie. On va tenter de faire de la belle magie et moi j'ai envie de jouer avec Samusier. Pas Samusier, hein. Il suffit de leur faire des cadeaux pour se faire inviter. Bienvenue sur Val EPL Michto MTGAFR. On marche comme ça, nous. Tu lâches pas une carte, gros, t'as rien. C'est quand même du faux Michto parce que je t'assure que Démon Blanc, il est perdant dans l'affaire. Je te le dis parce que je vais pas l'emmener dans un 5 étoiles pour dîner, tu vois. Donc, du coup, il sera perdant dans cette histoire. Et c'est nul. C'est pas très bien. Je mouligan. Ouais. C'est mieux. Oh la Vraska, que les mêmes, je dois Vraska. Je vais garder parce que j'ai la combo. C'est pas dingue. Ah, c'est bien ça. T'as la combo ? La synergie, tu veux dire ? J'ai la synergie. Bonne synergie. T'inquiète, Lancelot, toi aussi, tu seras invité. Lancelot était un très, très très bon fournisseur aussi. Bien sûr. Il nous a envoyé des cartes de ouf. J'allais dire, ça dépend s'il a envoyé des cartes, mais oui, c'est bon, il a envoyé. Donc, on peut l'inviter. Et il a pas envoyé des moindres. Ah non, pas du tout. Franchement, allez voir sur Twitter, il nous a envoyé un titan de la fournaise altéré, d'une beauté. Et également, un très beau trésor Vindicate. De Vindicate.
Vous pouvez remonter un peu vos têtes, s'il vous plaît. Là, en fait, on a mis la webcam là, parce que apparemment, selon beaucoup de streamers, c'est le meilleur emplacement pour vous cacher le moins les cartes, surtout les landes en fait, qui sont cachées sinon. On peut la remonter un petit poil si vous souhaitez. Ouais, en fait c'est surtout peut-être le chat que tu peux remonter, du coup regarde où il commence. Effectivement, je peux remonter un petit peu le chat comme ça, pas que ça déborde trop sur mon visage. Et on va jouer tombeau luxuriant engagé. Il m'a enlevé quoi, j'ai pas vu. Ah bah la Vraska, forcément. Marche-branche peut-être tu trieras un peu mieux. Enfin, je sais pas en vrai. Si tu prends un land c'est bien. Bah tu vois j'avais pas envie de piocher ça, je préférais le mettre au cimetière parce que j'en ai déjà une. Voilà. Très bien. Non mais tu gères Kyo, pas de soucis. Vraiment merci beaucoup une fois Démon Blanc parce que je suis encore quécho là, je suis encore choqué de ça. Et voilà mais... Ah ouais, au GP Lille ils vont le vendre le pack de Planeswalker Mythique à 300€ là. Mais vous pensez que c'est rentable? Franchement c'est pas qu'à 300 balles. De quoi? J'ai pas vu. En fait d'ailleurs ceux qui vont au GP Lille c'est un moyen de choper le pack de Planeswalker Mythique de Ravnica à 299€. Ah ça peut être sympa ça. Il va détruire un marche-branche. Pour la mage ils ont rien fait, ils ont juste implémenté les préconstruits qui manquaient. Salut Astalogaltes, je sais pas si t'étais là ou si tu viens d'arriver. Si, il était là. Ah. Il était. Ah, dommage. J'aurais dû faire marrer et jouer ça et garder un bilan, j'aurais pu jouer mon elfe. Ça me permettait de jouer. Ouais, si. C'était une petite erreur. Ah, ouais, il est out of stock ah le ouais, pack. Ah, ouais, d'accord. Je savais pas s'il était rentable ce pack du coup. Je commence à être bien malade, tu vois. Je sens que demain je vais sur le site, le retirer sur place. Ah, c'est cool qu'ils aient fait ça quand même. Après, c'est pas cool l'objet en lui-même. J'aime pas moi ce qu'ils aient fait ça, mais. Bah, tu sais, ils commencent à faire des trucs en mode objet limité, un peu comme les, ouais. comme Après, les paires de chaussures. Ce qui est bien, tout, c'est que c'est. Vous avez aucun avantage dans le jeu, dans Magic, à avoir cet objet-là. Ah, c'est que de la custo. C'est de la custo. Et non, mais ça, c'est bien. C'est pour ceux qui veulent de l'argent en fait. Il y en a qui l'ont acheté 300 balles parce qu'ils se disent qu'à l'unité, ils vont les revendre 500, tu vois. Ouais. C'est là où le bas blesse, tu vois. Le bas est blessé, voilà. Eh oui. C'est bas blessant, du coup. Je reprends Vraska ou une Renaissance? La Renaissance, comme ça tu fais masse magie. Ouais, je pense. Donc un attaquant, bien sûr. Et ouais, ça a été out of stock dès l'ouverture. Bah ça va très bien, et toi, Srank Hayabusa? Srank Hayabusa, pardon. Ah, il me refait du reste, il est relou. Il m'en a fait combien? Il m'en a fait 3. Le mec il joue side quoi, de base. Bah c'est un peu coquin quand même hein. J'avoue. Est-ce qu'on a déjà joué L5R ou Vampire? Vampire on a déjà joué, L5R je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu parles de jeu de rôle? Le jeu de rôle Vampire et L5R. Ah, tu connais toi? L5R ça me parle et Vampire je connais. J'ai jamais joué mais on m'a dit que c'est un très très bon jeu de rôle. Et d'ailleurs un collègue est en train d'écrire un jeu de rôle, il s'y met en fait. De par Aya, ouais, que tu connais bien. Bien sûr. De par le fait que je l'ai initié au jeu de rôle et que je lui ai même fait un petit cours de jeu de rôle à mon humble niveau. Et du coup, il est en train d'en écrire un et je suis très hypé d'y jouer. Il m'a révélé un peu et il t'a révélé ce que serais. Et il m'a révélé un peu ce que je serais. Et je suis très content. Un jambon à 10 heures sur pseudo. Amen Exoxiago. Valide donc. Est-ce qu'il y aura un deck d'Ymir? Pour l'instant, on n'a pas de deck d'Ymir, mais oui, à terme, il y aura un deck d'Ymir, bien sûr. J'avoue. Hamenegs. Legend of St. Riggs. Ok, un GR médiéval Jap. Ok. Salut l'ami du raisin. Salut Zizi Pop. Le Zizi Pop. Ah, c'est bien ça. Je peux reprendre ça, qui va reprendre ça. Vas-y. Hein. Mais là, à ce tour-ci, à 600 rituels, j'avais envie de Chupacabré quand même.
T'en fous, t'as pas de pression, il y a rien sur le board. Ouais, c'est vrai. Bah, faudra que tu joues pas cabre avant de poser ton. Mais enfin, t'as le temps avant de remettre ton Elder, quoi. Hop, hop. Tranquille. Comme ça, je peux. Ah, que coucou à toi, Quentin. Marche, manche, ondine. Quentin Jésus. Y a que coucou. Salut, canisateur. Ah, Légende des 5 anneaux, j'ai un collègue qui joue et ça a l'air très cool. Ouais. Oui, oui, Julou, tu récupères toutes les cartes que t'as piquées dans ton draft. J'ai jamais joué au jeu de figurines Warhammer, moi, pour le coup. Les vampires, le GDR et aussi le CCG. Ah, je connaissais pas le CCG de ces deux jeux, mais ouais, de nom, je connaissais les. Le vampire, je connaissais de nom, on m'en a beaucoup parlé. Et L5R, ouais. Très sympa, très complexe de ce qu'on m'en a dit, mais enfin très complet plutôt, mais très très cool. Jamais joué à des jeux de figurines, non, Simon Jérémy. Je sais pas si t'avais répondu. Ouais, moi je disais que j'avais jamais joué. Ah, mais moi, je savais pas pour toi, donc je n'ai point répondu. Toutes les cartes que tu as piques, tu les récupères à la fin du draft, du coup. Ouais, ça j'ai dit, j'avais répondu. Ouais. Parce que du coup j'étais en décalage. Pas de soucis. Il s'attaque sa propre mana base. Ouais, il se grignote les pieds. Et ben au bout d'un moment, à manger trop ton pied, tu tombes, tu bouges plus quoi. Ça dépend si tu manges les deux ou pas. Si t'en manges qu'un, ça peut. Voilà. Tu tiens quoi. Ça vaut le coup le draft M19. Moi je te. Alors pour apprendre à drafter, oui. Pour récupérer des cartes, non. Tu pouvais champ avec ton elfe en vrai. Ouais, je me dis que de la mana c'est bien pour faire de la belle magie. 1, 2, 3, 4. Ouais, t'inquiète, Kyo, on sait pour le top. C'est pas le top 8, c'est les decks à 5-0. Tu vois, là, je peux faire ça et tout Vraska. Bon, je vais pas le faire, mais. Baf. Ça, c'est mieux, non? Non, tu peux faire Vraska là? Quand même, peut-être en vrai. Bah, quand même. Ok, je prends Vraska. Si c'est le meilleur play, autant y aller, quoi. Allez, j'y vais, voilà. Bouge pas, j'y vais. Je fais quoi, moins 3, détruire son ça. Plus 1, je sac un land. Plus 1, tu sac un land, je pense. En fait, faut la monter parce que sinon tu vas perdre sur son ulti à lui, en fait. Ok. Salut, Subgaius. Marche, marche, Ondine. T'as plein de belles magies dans ce deck. Hein. Tu penses? Ouais, 180 spectateurs, merci énormément à vous merci tous. Merci beaucoup. Hein. C'est vrai que depuis que l'open beta est là, on a open vu une vraie montée des spectateurs, c'est vraiment cool. Mmh. Une montée du Nid. Je l'ai vu monter le Nid. Il a débordé. Je sais pas si c'est le meilleur deck, mais en tout cas, c'est le deck qui nous a le plus fait plaisir. C'est un peu notre bébé. C'est le deck qu'on a créé, Chevalier Abzan, pour le coup. Enfin, créé. Un collègue à nous l'a créé. Et on l'a créé par rebond. On l'a créé par rebond, pour le coup. Mais je pense pas que ça soit le meilleur deck de la méta. Je pense qu'il y a mieux à faire, mais en tout cas, moi, il me sied très bien. On va présenter une deck de. Enfin, on a tourné une vidéo sur IZ, donc sur bleu-rouge, Charcot. Donc, la semaine prochaine, elle va sortir. Et franchement, je pourrais pas mieux te conseiller que de regarder cette vidéo-là, pour le coup. Ça sera plus simple que là de commencer à discuter juste avec toi de la liste. Ça va être un petit peu compliqué. Enfin, je vais pas pouvoir répondre au chat. Donc, regarde cette vidéo, elle sort bientôt. Et tu auras une bonne idée de comment jouer bleu-rouge. Et la version est quand même plutôt correcte, pour le coup. Mmh. Intéressant, espèce de mirror. La montée, parce qu'on veut piocher une carte, Kuja. C'est quand même intéressant de piocher une carte pour le coup. Quel est le problème de ce soir? Faire juste de la belle magie, Crash. Juste jouer les decks, un petit peu de Ravnica, se faire plaisir quoi. Il y a eu une ligue MTGO qui est sortie où ils ont présenté tous les decks qui avaient fait 5-0. Et du coup, bah, on joue quelques-uns de ces decks là par exemple. T'as pas voulu Ah ouais, non, tu pouvais pas. Compliqué. Ok, tu prends ton mana en pool. Mm-hmm. Ouais, tu vas pouvoir mépriser Savraska à lui. Et tu vas pouvoir... Ah non, parce que si tu fais mépris, tu choupacabres pas. Donc tu vas trop faire de l'assassin Savraska et choupacabrer son 3-4. Yes. Je pense, hein. Ouais, s'il te plaît.
tout le monde veut du bleu noir, c'est dingue. Hein. On n'a pas de bleu noir en stock. J'ai Grixis, moi, si vous voulez, dans ma besace. Parfait, merci, car l'ancienne vidéo sur YouTube est obsolète. Et oui, bien évidemment, depuis qu'il y a eu la rota, beaucoup de nos vidéos sont obsolètes. Mais elles restent peut-être quand même sympathiques, juste si vous voulez vous marrer un coup. Au demeurant, et au demeurant. C'est un bon moment, quoi. Et du coup, ça 5-0. Cette liste-là, non. Enfin, on sait pas. Par contre, la liste du monsieur... Non, c'est pas la liste à 5-0 non plus. Ah, c'est fort. Hein. Dans le pack, on gère mal, pour le coup, le tyran. Et dans le pack, on le gère pas. On le gerbe. On le gère pas. On décède sur ça. Un deck Borossange. Exactement ça, on a. On a et on a déjà tourné une vidéo dessus aussi. Non, je vais sacrifier ma créature. De toute façon, tu peux pas bloquer la jument, donc... Ah, c'est compliqué, hein. Ok, elf, c'est pas dingue. Vas-y, jette feu. En vrai, je sais ce qu'il y a dans le paquet. Et... Il n'y a rien qui te sauve. Est-ce que je vais piocher ce Chupacabre? Franchement, le deck chevalier des Monts Blancs, il est vraiment cool. Hein. En vrai, pas trop proche. Non, je pense que je veux pas le piocher. Ça, par contre, je le veux peut-être. Pour chumblock. Ouais. Ouais. Salut Chabit. Et salut Chabit, comment vas-tu? On jouait vachement à ce jeu quand on était jeune. Ouais. Chabit. Ah, c'est vrai que j'ai joué un petit peu aussi. Une musique là, qu'est-ce qui se passe, Val? Et je sais pas. Moi je suis en train de décéder, tu vois, genre mon nez a tellement coulé que maintenant il a fini de couler. Ah. Et ça me fait une espèce de tension. C'est totalement pris. De tension tout là, c'est descendu dans la gorge et ça me fait mal et je commence à avoir, tu sais, la brume, quoi. Tu vois, trouble. Le brain, c'est la mort, ça. Le brain fog. Comment ils disent? Le brain fog, brouillard de cerveau, quoi. Et je connais pas. Tu connais pas cette langue, le brain fog? Tu connais pas les anglais quand ils disent. Et j'ai jamais parlé anglais de même. Eh ben, ça s'apprend, Pierre-Louis. Ça s'apprend. Bon, déjà, tu fais 3-2 sur 5-3. Bah, je sais pas, parce que je peux double bloc pour tuer ça. Tu double bloc pour tuer ça. Et comme ça, je garde ma Vraska. Exactement. Ah non. Moi, je vous conseille les... Mais je la garde pas parce que ça piétine. Bon, je le tue quand même, hein, mais... Les Dragon... Capitaine Charler. Les Dragon Shield, je conseille comme sleeve. Moi, je me régale avec. Voilà. Et salut Vraska, ça me fait plaisir. Pour un débutant, il vaut mieux ouvrir des boosters Ravnica que M19. Pourquoi il y a une Vraska dans la main? Ah, il a repris avec ça. Bien joué. Ah non, il m'a pas attaqué Vraska avec, donc elle est encore là, cool. Oui, alors là, ce qui est très très bien, c'est que tu peux essayer de choper le truc qui met -4/-4 à tout le monde et du coup le raser le board. Donc du coup, faut que tu ailles creuser avec Ranger, Jas de Feu, et que tu fasses +1 pour piocher avec la Vraska. Ça, c'est value aussi hein, contre lui. Hein. Ben, là, je prends une Renaissance. Dans l'instantanéité, pas des masses quoi. Renaissance va sacrifier ça 1/3. Parce qu'en fait, ça, je vais chumblock ça. Et le, enfin, j'ai pas chumblock, je vais le tuer. Je pense qu'il faut garder ça. D'accord. Ok. Du coup, pose quand même ton elfe. Je pose mon elfe. Je fais +2 dans le vent. Dans je le peux vent. Faire -3. Y a rien qui piétine, je peux tuer ça si je veux. Je crois que je tue ça, je pense, comme ça. J'aurai plus de value bah, sur. Tu tues ça à 3/4 dans ce cas alors. Je peux pas. Au bout de 4. Ah, d'accord, oui, oui. Et ouais. Je pense qu'il faut que je fasse ça. Bah non, pour faire quoi? Parce qu'en fait, là, en jouant ça, je vais reprendre la Renaissance. Et Renaissance, s'il a que des bonnes bêtes, c'est moins value. Ok. S'il a pas que des bonnes bêtes, c'est moins value. En gros, faut qu'il ait des grosses créatures, quoi. Caca. Ouais, ça nous a fait ça aussi, Chabit. Je sais pas s'il y a un problème avec les anciennes decklists ou si... entre les langues, en fait, si vous importez une liste en anglais avec le jeu en français aussi, ça peut couiller. Enfin, c'est. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne sais pas. Je suis perdu.
Et merci Bojo qui régale avec ses petits codes. Hop, c'est pour gagner des petits, petites cartes, je crois. Je me demande ce qu'il va faire pour avoir ce cas. Ce serait bien qu'on arrive à la gagner après, après un grind de l'enfer. Ah mais non, l'enfer, mais Vraska, il fait moins 3 là-dessus et je perds ma Vraska, moi. Super. Keteb. Et pas Keteb. Pas Keteb. Et ouais, putain. Ah mais oui, ça va en vrai. Toujours le faire, parce que s'il attaque avec les deux... Zizi Pop. Je tue sa Vraska s'il attaque avec un. Ah non, en tous les cas. Sauf s'il attaque avec ça, je tue sa Vraska au tour prochain. Tu fais juste mépris de Vraska sans savoir Vraska dans toutes les situations au pire. Ouais, mais vaut mieux que je fasse sur là-dessus et que je tue avec mon elfe. Si tu peux, bien sûr. Si je peux. Merci pour la belle magie. Ah, merci j'ai beaucoup. J'ai mal au cul. Je crois que les gens font exprès de nous se mettre des noms rigolos pour s'abonner. Ah, du coup, aucun bloqueur. Et merci à Oldrim. Oldrim pour la belle beaucoup. Magie. Merci beaucoup. Là, je peux faire combat, attaque. Eh ben, moi j'ai fait la paix du dimanche matin, sauf qu'on n'a pas eu le temps de faire une quatrième ronde, donc on a fait que 3 rondes et j'ai fait 2-1. J'ai fait 2-1, donc c'est vrai que 3 rondes c'est très très peu pour une AP. Donc, du coup, un petit sentiment d'inachevé. Mais il y a eu tellement de monde et ils ont. Enfin, du coup, la boutique a pas forcément bien prévu les horaires. Et comme il y avait le troll à deux têtes qui commençait à 13h, ben, on a fait que 3 rondes. Donc voilà, 2-1. En prenant Selenia et au final, j'ai joué Boros. Donc pas un scellé incroyable pour le coup. Est-ce que je peux te tuer ta Vraska ou tu vas mettre 100 de temps alors que t'as qu'un mana vert? Allez, Ameneg, cette partie a duré trop longtemps, merci. Voilà. Il est déçu hein, que tu tues ta Vraska. Et tu il sens qu'il est après, pas content il quoi. Fait mince. J'ai perdu à Vraska. Et là du coup tu fais négociant. Et ouais. Et c'est 3-4 pour challenge bien, ça. Après, je vais prendre 5, hein. Mais bon. C'est le prix à payer, petit. C'est le prix à payer. Je vais reprendre la belle magie. Hein. Bon, bien sûr, on prend ça. Hein. Ouais, tu prends ça. C'est combo hein, avec le négociant. C'est combo de ouf. Il y a encore un négociant. Et tu vois, en fait, c'est un humain. Yes. Alors que moi, je croyais que c'était une espèce de blaireau. Elle fait chaman. Oui, je comprends. Tu disais à chaque fois la bête, là. Le blaireau, je fais, bah, elle ne parle pas de lui comme ça. C'est pas parce qu'il est négociant d'objets trouvés qu'il faut le traiter de blaireau. Est-ce qu'il est négociant de fifrerie? Qu'est-ce qu'une fifrerie? Qu'est-ce qu'une fifrerie? Parce que tout le monde dit on le dit fifre. Souvent, tout le monde dit fifre et fifrerie. Mais est-ce que les gens savent ce que c'est? Alors, est-ce que quelqu'un va trouver ce qu'est une fifrerie et ce qu'est une fifre? Du coup, c'est vrai, c'est une fifre, pas un fifre. Ouais, mais pour nous, ça restera un fifre. Ouais. On a un petit peu quand même démocratisé on le. On a déposé le. On peut porter plainte contre les créateurs de fifres. Ça nous permet d'être véhément sans être ban. C'est très bien. Ouais. Cette insulte quelqu'un de fifrelin, nous dans notre tête c'est quand même vachement négatif. Mmh. Mais, vachement négatif, mais en mode. Oui, rigolo, bah, bien sûr. C'est quand on rage quoi. C'est Oui, une petite flûte en bois. C'est une petite flûte. Mmh. Mais qu'est-ce qu'une fifrerie? Eh ben il est chiant lui. C'est-à-dire que le mec il a top deck l'anti-bête pour gérer ma 3-4. C'est un chiffre 8. De Sophie Favier. C'est Chris H qui nous dit ça. Eh ben tu feras fin de tour mépris de Vraska sur sa 3-4. 6, 7. Ah! Mais non, je meurs si je fais ça. Pourquoi? Bah non, tu feras bloc sur le jument et fin de tour mépris de Vraska sur sa 3-4. Ah, je suis pas frais là. Bah ouais. Pourquoi fin de tour? Non, je le fais maintenant. Un fifre? Eh non. Pourquoi? Enfin, oui, si tu veux, mais c'est je mieux de le faire maintenant. Mais pour faire quoi? Ça me rassure en fait. Non, mais sois pas rassuré, t'inquiète. Sois pas rassuré si jamais ça va aller. Un fifre, c'est un chiffre quand tu sais pas parler. Une petite pipe. En fait, cet elfe me casse totalement mon deal. Ben oui. Donc, une fifrerie, c'est une chose de sans petite valeur. Oui, sans valeur. Je crois que la définition sur Google, c'est une chose nulle sans valeur. C'est quand même pas gentil. Ouais, c'est pas cool. Arrête tes fifreries, c'est genre arrête tes choses inutiles quoi. Ouais. Et donc un fifrelin, c'est quelqu'un qui fait des choses sans but. Tu vois, genre. Bah, on sait pas, on l'a inventé donc. Bah ouais. Mais je pense trouver une définition. Ou c'est un mec sans valeur.
Ah, il me met deux elfes. Ça, c'est pas cool parce que ça lui. Ça... Et moi, je. Allez, va-t'en. Attends, allez, 1, va-t'en. 2, 3, 4, 5, 6. Non, je pouvais pas faire le play que je pensais. Donc, du coup, c'est un peu mieux qu'un sous-fifre. Ouais, c'est ça. C'est un fifre, c'est mieux qu'un sous-fifre, exactement. Mmh. Un mec qui sert à rien, quoi. Et pourtant, on veut pas insulter les gens quand on dit ça. Non, pas du tout. Je trouvais ça plus drôle de dire que c'est un mec qui faisait pas grand-chose, tu vois, quand il jouait. Mmh. C'est vrai. Ah bah du coup on est content. Est-ce que ce serait pas l'heure de la pause giveaway? C'est l'heure exactement de la pause giveaway, voilà. Hop là, parce que du coup on vous fait gagner des codes scellés. Vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois, donc si vous en avez déjà gagné, ne participez pas, ça n'a pas d'intérêt. On fait gagner combien on a tué, je ne sais pas. À faire gagner. Je sais pas exactement combien j'en ai, mais je pense qu'on va quand même garder pour les dispatcher sur les lives. On n'est pas des masses, donc on va peut-être en faire gagner deux là. Ah, tu peux en faire gagner deux ce soir quand même. Je peux en faire gagner deux ce soir. Cool. Parce que je suis bon prince. Tiens, bon prince, voilà. Donc le temps que ça se lance, parce que c'est un truc de, le logiciel de giveaway est très très long. On peut discuter encore un petit peu, quoi. Et on va faire une petite pause en même temps. On va toucher les 2300, exactement. Et 191 viewers, ça fait très très plaisir. Merci beaucoup à tous. Ça sert à quoi les codes scellés? Ça te donne un ticket d'entrée gratuit pour un scellé Ravnica dans MTG Arena. Non, non, c'est pas pour les Planeswalker. Non, les codes d'ailleurs ne sont plus utilisables. Pour les Planeswalker. Ah ouais? Mais je te l'ai dit tout à l'heure, J'écoutais pas. Non, genre, j'ai pas entendu. Et pourtant tu m'as répondu, donc c'est que t'avais un peu entendu. Tu sais quand on écoute mais qu'on pense. Mais enfin on a parlé de ça, c'est pas juste tu m'as dit ah ouais. Je te rappelais peut-être pas. Ah mais c'est pas, je pensais que tu me parlais d'autre chose alors, c'est pas possible. Je pensais que tu me parlais de chèvre. Alors que non, Planeswalker, pas le même mot. Allez, tout va être écrit, ne vous inquiétez pas. Je le rappelle, ne vous inquiétez pas. Vous allez devoir taper point d'exclamation belle magie dans le chat, comme c'est marqué, comme le Valpelbot vous l'indique. C'est nous qu'on régale. Point d'exclamation belle magie, et on tirera deux winners. Et ben, les deux personnes auront un scellé gratuit sur Magic Arena. Si vous avez déjà utilisé ce code-là, voilà. Parce que vous avez pu les gagner en faisant des AP IRL. Les points d'inscrits déjà. Si vous les avez déjà, vous les aurez gagnés pour rien, donc ne participez pas, s'il vous plaît. Ouf. Oulala. Ou la liste qui explose. Ah ben, il y a des gens qu'on n'a pas vu dans le chat qui. On sait qu'ils sont là du coup. Ah ouais. Ok, on vous voit les coquins. Oh oui, d'accord, ouais. Oh là là. Ou Dieu. Alors si vous n'avez pas Magic Arena, le code ne sert à rien non plus. Ah oui, donc après Magic Arena est disponible pour tous et gratuit. Donc, oui, c'est vrai. Enfin, c'est au pire, easy. Vous pouvez gagner votre code et installer Magic Arena. Ça fait bien commencer, ça vous donne 9 boosters. Effectivement. Ah, c'est vrai, c'est un code. Est-ce que tu peux faire... Attends, je regarde. Et tu peux faire ça, donc j'ai pas besoin de ça. Ah oui, c'est un code pour 9 boosters quand même. Hein. Exactement. Alors ne bougez pas, on fait une petite pause, on va se désaltérer après ces émotions fortes, etc. Il va y avoir une petite pub, c'est normal, puisque maintenant on est partenaire Twitch. Yes. Donc ça fait plaisir. Inscrivez-vous pendant cette petite pause et quand on revient, on fait gagner. On fait gagner les codes scellés. Petit giveaway, voilà. Ne quittez pas, on revient tout de suite. À tout à l'heure.
Heureux. Bonjour. Oh, on a dit en même temps, heureux. On est trop synchro. Et du coup, petit giveaway, Val. Petit... Ah oui, c'est vrai qu'on était sur du giveaway. C'est ici. C'est ici. Tu fais close giveaway. Oh, attends, je regarde un petit peu ce beau nombre-là. Vous êtes trop. Ah, vous êtes beaucoup, ça y est, on commence. Vous avez peu de chance. Allez, c'est close. Vous pouvez plus participer. C'est maintenant, fini. Tu vas pick un winner. Je pique deux winners, même. Un winner, d'abord. Pouf. Et félicitations à Kenizateur. Kenizateur, parle donc dans ce petit chat. Parle dans le chat, s'il te plaît. Tu viens de gagner un scellé gratuit. Tu vas gagner un scellé gratuit si tu es toujours là. Félicitations à toi. Mais il faut que tu parles dans le chat et que tu viennes nous chuchoter, enfin nous MP sur Twitch. Oui, on a échangé les places, c'est pour pouvoir jouer, du coup. Et merci à Kenizateur, c'est bon, il a répondu. C'est bon, et du coup, envoie un petit MP, comme il vient de te le dire. Et tu peux repick winner. Tu peux parler dans le chat pour qu'il ait juste à cliquer et faire chuchoter. Tu nous envoies MP pour dire genre code scellé ou salut, et du coup on t'enverra le code scellé demain matin. Et je vais repiquer un winner, est-ce que vous êtes prêts? Bah c'est bon, Kenizateur a réussi à nous MP. Je mets un message quand même. Et le deuxième gagnant est... Ah si, c'est bon, c'est juste qu'il y a plein de gens qui ont parlé. Vas-y. Et Rémi VHB. Félicitations, parle pour voir si tu es bien là. Et ensuite, si tu parles pour voir si tu sais faire. Tu sais faire le bon choix. Tu sais parler. Blablabla. Et tu nous envoies un petit message sur notre chaîne Twitch, comme l'a fait Kenizateur. Et ben voilà, parfait, Rémi VHB qui a gagné. Ah bah nickel. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je repars sur le jeu. N'hésite pas à fermer, comme ça, ça. Moi, je ferme. On sollicite tout. Moins de ressources à mon ordinateur, déjà mourant. Et c'est parti. Et c'est parti. Et on voit que ce giveaway a fait partir beaucoup de gens. Et ils ont pas gagné, les ils ont dit. Ils étaient là. Ils étaient intéressés. Oh, les fourbes. 30 personnes quand même qui sont parties en mode. Personnes. J'ai pas été tiré. En fait, je les aime pas trop. Hein. Ouais. Finalement, je suis pas trop drôle. Et bah, merci à ceux qui restent. C'est le plus important. Et c'est bon, Rémi VHB. On a ton message. Et attends, quel est ce petit. Ah, Christopher Berthomé qui s'inscrit. Merci. Qui, beaucoup de Chris qui arrive. Hein. Beaucoup de Chris, ouais. Mais attention, est-ce qu'il y a le pire Chris-H. Ou le meilleur d'entre eux? Le best. Le plus redouté, le plus craint. Best. J'ai bien envie best. De voir petit Naya à Groomid, moi. Ah bah non, si mais alors dans ce cas je vais pas en match compétitif. Ah ok. Mais vas-y. Fais-moi juste un ou deux petits chômages. Ah si t'inquiète, y'a pas de soucis. Nous on est là pour galerie. Ouais, on voit les vrais qui restent, ça fait plaisir. C'est des michetos. Ah bah c'est des michetos. Ça veut dire, attends, 30 sur 200, ça veut dire qu'on a un sixième de viewers michetos. On a un sixième de michetos. Eh, c'est beaucoup hein. C'est pas mal hein. Franchement. Oh là là, dingue. On se cache chez Chris H. Ah ben voilà, ça fait de la merde. Allez, on quitte. Non. Vas-y, on va la garder. La rage facile. Et merde, c'est quoi cette main? Je voulais vous montrer un deck. C'est de la pisse, en fait. Du coup, on s'en va. Tu montes juste. Regardez, c'est nul. Voilà, maintenant, on va jouer autre chose. Oh, t'as un mont enraciné. Eh oui. Bifle, oui. Est-ce que c'est une bilvesée, ça? J'avais jamais fait le lien. Ah, bah tu étais peut-être le dernier à ne pas avoir fait le lien. J'avoue qu'il y avait que toi qui n'avais pas fait le lien. Et pourtant, moi, je vois pas le lien, mais... Oh, merci. On dit qu'on nous aime, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bah écoute, on t'aime aussi. Ils sont abonnés, on vous aime comme aussi. On sait, on est des michetos. C'est pas parce que, hein, qu'il faut nous... Hein, hein. Bon. Hein. Tiens, je te mets un peu le... Le micru. Ouais, micru. Le micu. Val s'endormait paisiblement en entendant ce stream. Je racontais l'histoire de ta vie après le stream. Ça serait pas mieux avec un seul commentateur, mais tu as tout compris. C'est pour ça que du coup, on vous annonce, on ouvre nos chaînes personnelles. Waouh. Parce qu'on se déteste. Comme tout bon duo de youtubeurs. On a les noms, c'est pas vrai. Voilà, ok. Oh putain, mon dieu. Allez, mais cette petite bête là. Vous croyez que les duos ils s'aiment bien? Mais pas du tout. C'est que pour l'argent. C'est fait exprès. Hein. Et nous c'est encore pire, y a pas d'argent. Mais nous on se connaît hap. Du coup on se déteste pour rien. On invente quelque chose. En fait on invente un passé commun, mais on se connaît hap. On s'est rencontrés quand déjà? Lol. Bah, on avait tout prévu. Pause. Quand on a lancé la chaîne, on s'est fait un brief. On est des acteurs. Regardez. C'est même pas nos vrais visages ça, c'est des photos collées. Merci beaucoup à toute la belle magie. Merci qui arrive. À toute la belle magie qui s'enchaîne comme ça. Beau Jacques Max, merci à toi. Squeezie Cyprien, ils se détestent. Ils ne se sont jamais rencontrés, en vrai. C'est des vidéos tournées. C'est des photos aussi qui bougent. La conspiration du YouTube. Oh, conspiration comme l'extension un peu nulle de Magic. Oh non, c'est cool. Ouais, c'est cool, ok. Bon, ça c'est... Mais, tu sais, moi je suis un méchant. Attends, ouais. Ça fait quoi la petite 1-1 là? Elle doit être bloquée, je crois. De quoi? L'autre. Contact toutes les créatures capables de bloquer l'assassin le font. Donc il faut que t'attaques. Ouais, t'inquiète. Ou tu la blastes. Par contre, si je fais ça. Et bah, tu vas bloquer avec le patron. Je vais perdre. Donc, du coup, c'est nul. Donc, du coup, je vais faire ça pour. Non, je vais faire ça pour faire de la. Comme ça, je vais le bloquer, il va mourir. Et là, je vais faire de la value avec. Ouais.
Voilà. Donc je pouvais blaster pour garder une 2-3, mais bon, vas-y, vas-y. Comme ça, tu cures. Ça m'arrange pas de blaster ça. Bah voilà. Bah, je n'ai cure de ce que tu racontes. Est-ce que je prendrais pas à ça? L'un de vous en robe plus perruque. Comment? Quand on commenterait un GP. Quand on le running gag. Ah oui, tu prends Aurélia, oui. T'as vu, c'est sympa que tu puisses prendre Aurélia sur Sonar 2010. Oui, je savais, Val, que c'était sympa. Tu savais? Ah, je savais. T'étais au courant? Ah, bah il y a quand même des viewers qui sont revenus. Donc soit vous êtes arrivés après la guerre, soit c'est des gens qui sont partis. Ah bah tiens, je dis ça, il y a un disque qui porte. Soit c'est des viewers qui reviennent en mode. Non, quand même. Tu n'as pas dit ouais. C'était bien. Okay. Ah, peut-être qu'aussi il y a des gens qui sont déçus d'apprendre que Squeezie s'est pris en fait. C'est... Ah oui, on a l'initiative. C'est vrai qu'en fait j'étais dans l'optique qu'on va attaquer avec la 1-1. Donc en fait t'aurais pu ne pas poser de bête. De quoi tu parles? Mais en fait s'il attaquait avec la 1-1, tu bloquais avec la doublinite et ça l'a tué sans, sans que tu meurs. Ah. Mais comme c'est toutes les créatures, donc okay. Du coup t'es obligé de multi-bloc et lui il choisit laquelle il tue. D'accord, très bien. Donc là tu fais Aurélia. Ah bah oui, je suis fou. Suis-je dingue. C'était de la belle. Je sais que c'est de la belle magie, merci. Cool, je viens d'acheter une lumière du voile à 500 euros par un mystérieux vendeur toulonnais. C'est écrit qu'elle est signée par deux famous youtubeurs qui se détestent, je le rappelle. Écoute, c'est pas en vendant des cacahuètes qu'on achète un ordinateur. On fait pas de la thune sans casser des œufs. On ne vendra jamais ça. Ça, c'est le bébé. Les reprises de Gotowan qui nous ont appris ça. Est-ce qu'on veut un blanc, un rouge ou un vert? Bah, en fait, il fallait pas poser justement parce que comme toutes les créatures doivent la bloquer et que c'est lui qui choisit qui il blesse, en bloquant avec nos créatures, enfin toutes nos créatures du coup, il choisit laquelle il tue. Ça fait liège de ouf. Par exemple, là, s'il attaque avec la 1, on perd Aurélia. Bah ouais. Et il va le faire, il aura bien raison. Je vais bloquer sa 3-1. Non, t'es obligé de bloquer la 1. Ah putain. Toutes les créatures doivent la bloquer. Toutes les créatures. N'a-t-il pas dit que toutes les créatures devaient la bloquer? Elle l'a dit. Horrible, genre tellement pas l'habitude de jouer contre ce machin là. Il y a des gens qui jouent ça quoi. Incroyable. Oh là là, regarde ça te perd. Ah oui, c'est vrai que c'est les dégâts d'init d'abord, suis-je bête? C'est vrai, je. Ah oui, ça me plaît beaucoup. Je le sais, mais en fait je l'oublie. Prostani là, non? Ça me fait yesh ça quand même, en vrai. Bah t'as 17 donc ouais, ça mais... va. Non, mais il va faire mass value. Il fait scry 3 pas la gérer, donc. Ah bah si, je peux faire frappe, il perd 4, je peux faire frappe, il perd 4. Il a il encore. Oui, il est encore total gros pas, il a encore une 4-3 et une 3-1, c'est fou. Mais d'accord, mais on peut réfléchir au play, tu vois. Mais non, le play n'est pas. Mais le play n'est pas là, là. Il est pas là. Vous trouvez de nouvelles listes de decks sur notre page Magicville, sur notre page YouTube ou aux toilettes. Je ne sais pas. Pourquoi pas. Ou est-ce que j'attaque sur des sites comme MTG Top 8 quand il y aura des tops, sur Magicville pour voir les listes des autres. Non, perdre 4 PV, c'est un petit peu gège. Bah félicitations The Pim. Enfin si tu étais plus bas, si tu étais plus haut, dommage. Ou sur Google. Ouais sur Google tout simplement. C'était de la belle magie. Et merci pour la belle magie à Doppelgaming. Si on vous envoie une déclise, vous pouvez l'essayer. Alors tu peux nous l'envoyer, Zizi Pop, sur le Discord, il y a un truc fait pour ça. Et s'il vous plaît d'ailleurs, vous nous envoyez encore beaucoup de déclises, enfin, je dis vous en général, oui. Sur plusieurs supports, envoyez tout sur le Discord, comme ça c'est regroupé, pour nous c'est beaucoup plus simple. Et on ne te promet pas qu'on va l'essayer ou la jouer en stream, mais si elle est sur ce salon Discord, il y a des chances pour qu'on la joue justement en stream. Donc on peut pas te le garantir, mais oui, merci beaucoup à Keldoran, qui régale en s'abonnant avec Twitch Prime, merci beaucoup. Wow. Pendant votre tour, créer un jeton. C'est chiant quand même cette liche là. Elle est mal lichée. Elle est mal lichée, ouais, effectivement. Tu fais double patron. En vrai, tu vas juste le déborder. Hein. Je fais juste le stomp. Bah ouais, tu vas le stomp de ouf. C'est vas-y, stomp là. Peut-être mieux de. Non, je pensais mieux de choc là. Choc là. C'est pas mieux de marde. Tu veux du choc là? Vas-y, choc là. Bah, Doppelgaming, le site avec un vrai système d'export comme MTG Goldfish ou Etherhub, tu trouveras. Enfin, tu pourras exporter les decklists, mais c'est pas decklist, forcément un mieux.
comme site. Enfin, il n'y aura pas des meilleures listes forcément, quoi. Regarde, on a Chris H dans le chat. C'est vrai? Ah oui. Chris H, bah tiens, ils sont les deux zigotos. Mais c'est un faux, je on le sait. Je veux rien dire, mais l'un de deux est de trop. Oui, je pense que c'est un faux. Bon, là, il a beaucoup d'autodérision et ça fait très plaisir. Ah, ça ferait plaisir. Franchement, Chris H, si tu es là, merci. Tu nous si as tu fait es là, conscience fais bouger cette table. Qu'on devait, qu'on devait faire une carrière solo et donc du coup, c'est acté. Ça nous ouvert les yeux, tout simplement. Exactement. Ah, ça engage de leur invincible, sinon il suffit de la frapper, d'attaquer après. Effectivement. Si on, ah, si on se mettait à bien jouer. Ah bah oui, depuis tout à l'heure on aurait fait des drôleries du coup. Ouais. On l'aurait saucé fort en vrai. Voilà, on n'est pas ici pour jouer bien, je te rappelle. Quand même, quand c'est obvious, bah en fait il suffit juste de lire les cartes. Parce moi que je là, sais ça pas fait faire. Plein de fois d'affilée qu'on lit pas. Sur le même game. On découvre les cartes en même temps. J'ai jamais joué à Magic. Qui joue ça franchement. Qui joue. Attends. Genre, vous avez déjà joué ça, autre qu'à votre AP. Assassin Hochran. Dimanche matin. Non. Non. Moi, j'ai joué Souterrain. Ah, il me dit. Ah, mais tu sais quoi, c'est tant pis pour nous. Voilà, c'est tant pis pour nous. Tant mieux pour lui. Merci, Chrisounet. Si c'est une déclisse Hearthstone aussi, vous pouvez la poster. Ben, tentez. Au pire, ça nous fait rire. Là, on va perdre. Là. Oui, je vais la concéder. Pas concéder. En plus, on ne la mérite pas dans tous les cas. Allez, à plus. On peut pas gérer son board. Donc, on passera. Ah non, t'avais gagné. Pas du tout. Non, j'avais pas gagné. T'avais pas gagné du tout. Voilà, c'est un bon deck. Hein. Il est bien. Hein. Après, on n'a pas bien joué. Non, on a mal joué. On a mal joué. On le retente ou pas? Oui, je le retente. Merci. Oh, un petit Phoenix qui régale. Tu les avais créés déjà? Oui. Oui, mais moi je les ai pas encore créés. J'en donc je vais peut-être l'avoir. J'en ai créé 3, donc j'ai le 4. Ah, ça va. Oui, il y a des compétitifs sur Goldfish, mais est-ce qu'il y a les top 8? Les listes des top 8? Et je crois que non, sur NTG Goldfish. Non, et non, ça manque beaucoup. Enfin, à moins qu'ils y soient, hein, mais une deux têtes, il me semble qu'il n'y en a pas. Oh, le Turc. On va pouvoir parler aux viewers de ma fantasy. Pourquoi j'ai pas de drop d'heure, j'en joue plein. On build le Phoenix, on teste en ce moment une petite liste. Oh, c'est cool, ça. Ah, il faut enlever, ça devient drop 3 en plus. Ouais, ouais, on a buildé avec Phoenix, nice. Ouais. En vrai, j'ai buildé un million de decks, déjà. Du coup, veux-tu parler du dessin au milieu? Ah, c'est toi qui en parlera le mieux. Alors, les viewers, en fait, toi, regardez, regardez bien le dessin au milieu, là. Et dites-nous à quoi ça vous fait penser. Juste au milieu, hein, le rond avec le soleil et la lune. Hop, à quoi ça vous fait penser? La lune et le soleil qui est là. Ça, on en parle dans une vidéo aujourd'hui qu'on a tournée. Et ouais. Du coup, vous l'avez en avant-première parce qu'on vous régale. On vous met doux. On vous met quali, quoi. On vous met doux, on vous met soin. Je tombe sur Jeskai Control, qui doit être un des pires match-up du paquet. Ah, t'as bugué quand t'as vu ça. Jeskai. Allez, on prend Sinistre Sabotage maintenant ou tout à l'heure? Carte Captor Sakura, ah, pas mal. Pokéball, Charles Traîné, un brocoli. Oh, et Monarch Omak qui a la ref. Ah ouais? Il a dit quoi? Il a dit un mec avec une moustache. Exactement. Exactement. C'est un mec avec une moustache et une petite touffe de cheveux ou alors un petit chapeau turc. Enfin, style turc. Le médaillon d'Esteban. Une moustache et une coupe afro. Exactement, Lolo. Allez, Pringles. Ah, c'est vrai, ça rappelle un peu le monsieur Pringles. Grave! Mais de ouf! Ah, c'est peut-être lui que j'imaginais. Et non pas une personne merde de type turc. Ah, ce serait dingue. Si dans leur metagame standard, c'est pas le top 8. Alors, souvent, en fait, ce que vous retrouvez, c'est une liste, une compilation des decks qui se ressemblent avec les cartes les plus jouées. Donc, du coup, ça vous montre les cartes les plus jouées, mais c'est pas forcément dans un deck optimisé. Donc ça donne une idée, mais c'est pas vraiment le deck qui a été joué, quoi. On va terminer vers 23h le live. À peu près, ouais. Il a tout, hein, c'est bien. Ah, il a tout, tout, tout. En même temps, je sais pas pourquoi j'aurais pas dû jouer. Monsieur Monopoly. Voilà, regarde comme ce mec est fort. Il a joué 3 cartes, il a défoncé mon plan de jeu. Ah, t'es à poubelle, là. Ah. Bah non, mais regarde. Ça va. Tranquille, tranquille, va. Sauce don, ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir?
C'est mon tatou Blackland. Ah, tu regardais? Ah, je croyais que tu regardais pas. Je me suis dit, putain, il joue sans regarder, il est trop fort. Je suis un tricheur, moi. Tu triches? Non. Ah, c'est bien. Ah, comme quoi, c'est chez l'imaginaire des gens, ça fait penser à plein de trucs différents, c'est marrant. Mais c'est la meilleure réponse, c'est quand même moustache coupe afro, mais... C'est peut-être un test un peu psycho, tu sais. Mm. Genre, qu'est-ce que vous voyez, monsieur? Je suis allé au ciné, je suis allé voir Black Klansman. Ah ouais, cool, hein. Très sympa. Ah, j'ai kiffé, moi. Très sympa. La fin est tellement malaisante. Ouais. Genre, tu sais pas pourquoi, parce que le film n'est pas malaisant, pour le coup. Mm. Genre, le film est vachement sain, je trouve, tu vois. Ouais. Enfin, sain, ça dénonce des trucs horribles, hein, évidemment. Ouais. C'est pas ce que je veux dire, mais il est quand même dans... Tu sais, il dénonce, mais dans un bon mood, je trouve, où tu peux quand même prendre du plaisir devant le film. Oui, parce qu'il y a une atmosphère détente, c'est en mode on va y arriver, on sait pas trop comment. Je suis très content de voir Kylo Ren dans un vrai rôle. Ouais. Ça fait grave plaisir, je trouvais qu'il était très bon. Grave, Adam River. Ouais. Et en fait, la fin est ultra choquante en mode tenez, vous en souviendrez juste pour ça, quoi. Ouais. Non, mais sans spoil, non, on spoil pas. Non, on spoil pas du tout. C'est la ce qui fin, se passe. Ça n'a rien à voir avec le film. Mais pour vous dire, en gros. Ah, si la settle, je me pends, voilà. La fin n'a rien à voir avec le film, c'est un espèce de... C'est des images réelles, en fait. Ouais, c'est ça. Et d'événements qui sont passés. Et moi, en fait, tout le long du film, je me suis demandé s'ils allaient faire ça un moment dans le film, en espérant qu'ils ne le fassent parce pas. Parce qu'en fait, pendant tout le film, ils sont là en mode... Ce sont des vrais événements et tout ça. Non, mais même, c'est genre plein de fois, ils disent « Mais si se passe ça maintenant, imaginez ce qui se passera dans 20 ans, tu vois. Ouais. » Et tu vois ce qui se passe à notre époque. À notre époque, ouais. Et c'est incroyable, en vrai. Une négation. Bah, il a négationné. Voilà, bien joué. Et du coup, ouais, c'est une histoire réelle en plus. Du coup, ouais, j'étais un peu déçu que ça finisse là-dessus. En mode, t'étais pas obligé, tu sais. C'est genre, on remue le couteau dans la plaie en mode, ah, regarde et tout. Alors que ça, on sait que ça a lieu. Ouais, c'est genre, moi, perso, je m'en rappelais déjà quand tu regardes le film. Quand tu regardes le film, tu dis, ah ouais, c'est vrai que les mecs, bah, en vrai, ouais, le monde est parti en couille depuis quoi. Ouais. Genre oui, effectivement, le monde est parti en couille. Et t'avais pas besoin de nous montrer ces images-là. Ouais. Et c'est très très choquant pour alors que ça sert pas le propos du film. Mm. C'est mon seul regret. J'aurais préféré que ce soit au début du film, tu vois. Ouais, peut-être. En mode putain, tu commences fort et ensuite t'as tout un film et tu repenses au début après. Genre, c'est surtout moi, vraiment, c'est que ça tranche vraiment avec le truc. Genre le truc fait passer un putain de message. Le film est putain de choquant, mais dans une espèce de mood où tu le regardes en mode c'est cool, tu vois. Et, ça m'a fait super bizarre, ouais. Spike Lee le réel, ouais. Ouais, c'est ça. J'essaye Grixis Control en match side. Bah vas-y, tente. Parce qu'on n'arrive pas à faire marcher ce paquet. Mmh. Donc on va essayer. Et je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que tu cries aujourd'hui. Tu penses que je crie? J'ai pas. Bah sur j'ai l'impression. Non, sur les... Bah je sais pas pourquoi. Plus fort que toi, gros. Ouais, non, mais là, c'était vraiment Tony Truant, tu vois. Je me suis dit, oh, c'est un orateur, mon collègue. Là, eh ouais. Et je regarde, mais il n'y a pas de foule. En même temps, je me dis, mais ils parlent à moi, ils sont 200, gros. Ouais, mais ils sont très loin. Ah, c'est pour ça que tu parles fort. Peut-être. Hein. Parce qu'il y en a tellement en toute la France. Tu sais, là, le 196e, tout au fond, là-bas. Mm. S'il ne m'entend pas. Et il va partir. Eh bah oui, il va partir. C'est normal. Non, mais t'as raison, vas-y. Foudre Pygmée, j'adore ce pseudo. Ça me fait penser au pseudo que donnait la Xbox à l'époque, quand vous créez le compte Xbox Live. Ce qu'on dit, Stage Galtes, c'est qu'effectivement, mais ça, on le comprend bien, que le racisme est toujours présent et que rien n'a changé. En fait, tout le film te le fait comprendre, et de manière très saine, en fait, et sans avoir besoin d'appuyer le truc, tu le comprends naturellement. Et de montrer ça, bah, genre, c'est juste... Et c'est pas que le point de vue, on n'aime pas. Voilà, c'est... pas du tout. C'est juste que... Bah, là où le film était fin, il est plus fin à la fin. Voilà, en plus, c'est un film qui raconte une histoire réelle. Parce que si c'était... une fausse histoire, mais que tu termines par ça en mode regarder dans le réel ce qui se passe, je te dis ah ouais, c'est une fiction et pas tant que ça. Alors que là, tu sais déjà que c'est des faits réels depuis le début du film, donc du coup, de savoir que tout ça a eu lieu plus ou moins de cette façon, si en plus derrière on te montre regarde vraiment ce qui se passe, regarde, tu te sens presque coupable, tu sais, en mode mince, je fais rien pour empêcher ça, qui je suis et tout quoi. C'était appuyé là où il n'y avait pas besoin d'appuyer, quoi, selon moi. Mais bon. Après, il a raison, oui. Dans le propos, dans l'opinion, etc. C'est fort, ça, rituel de suivant, lui. Hein. Mais bon, il a tellement une main pétée, il joue sa probiante, regarde. Ah, garde-le, gros. Si tu le touches plus. Regarde, il fait que ça. Il n'a que ça. Non, mais pour plus tard. Et j'en joue 3 de base, gros. Ah, t'en joues 3? Ah ouais. Ouais, vas-y, alors tu peux te permettre. En plus, t'as 2 jeunes de Sandargel. Mais pas du tout, Lancelot. Non, en tout cas, par contre, on valide, le film est vraiment très très bien. Et il dénonce vraiment de façon
c'est propre, c'est fait proprement, c'est bien. Voilà, c'est un très bon film. Allez le voir, c'est cool. Ah, mais la top des caisses, ça, coquin. Mais non, ne stresse pas, Kyo. Tout va bien se passer, t'inquiète. Je sais pas si je fais effacement ou si j'attends plutôt de lui passer une dispersion. Je fais effacement, je pense, pour lui enlever ça. Il a quoi? Il a un Il a juste 3. Ça. Je lui enlève avec dispersion, ouais. En fait, pour être sûr d'avoir mon land, en fait. Enfin, ouais, être pour surveiller, ouais. Très bien. J'ai vu les Frères Sisters. Oui, c'est dans les options qui dit pète. Pète. Bien joué. Les Frères Sisters, j'ai vu. Non, il n'y a pas la commande pour la decklist encore, Tonyuls. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Pour ceux qui n'ont pas vu les Frères Sisters, bah déjà, je trouve que le film est super beau. Et enfin, vraiment très très beau, avec un rythme qui sort de l'ordinaire. Des passages que j'ai pas compris, mais pas en mode histoire, genre je sais pas pourquoi c'est filmé comme ça, certains passages. Les passages où on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui regarde comme ça à travers ses doigts, par exemple, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et pour faire un comparatif, pour les gens qui ne l'ont pas vu, vous avez tous vu Star Wars, je pense. Non. T'as pas vu Star Wars, voilà. Au moins. Bah, imaginez que Star Wars, donc il dure 2 heures, 1h45, c'est un voyage dans l'espace, et les 15 dernières minutes, c'est tout Star Wars. Gênant, quoi. Non, c'est pas tout Star Wars, c'est la fin de Star Wars. C'est le premier Star Trek là qu'ils ont remasterisé, c'est ça? Ah, peut-être. Ah, j'exagère, je m'en rappelle plus. Et du coup, en fait, c'est ça. Enfin, je sais que c'est un rythme, que le réalisateur Jacques Audiard est excellent, il a fait des films de ouf, et que du coup, c'est peut-être que juste je capte pas la portée ou quoi du film, mais. J'ai trouvé ça dommage d'en venir à ce point-là pour que dans le dernier tiers du film, ce soit paf, 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 il se passe ça, oh, pas de bol, ok, tchac, 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 et ça finit comme ça, ok. Je trouvais que le rythme était lent et c'était dommage de le finir comme ça, je trouve. Après, peut-être que c'était une version Director's Cut, je ne sais pas. Enfin, pas Director's Cut, justement. Mais j'ai beaucoup aimé le film, mais en même temps, j'ai pas envie de le revoir. Je trouve que... Genre des films qui me laissent un effet mitigé un petit peu. T'as du mal à gérer quand même là maintenant. Bah ouais. J'ai été déçu du film, je le trouve surcoté, les personnages sont pas si intéressants que ça, non? Ils changent d'avis comme de chemise. Non, j'aime bien les personnages, moi, mais. C'est dur là. Obligé. Tu veux, attends, c'est pas encore encore la priorité, voilà. Il faut aller chercher fort là. Ce que tu veux, bah il faut aller chercher Vras. Vras or die. J'adore quand on est dans cette situation, genre tu Vras ou t'es mort. T'as 3 drôles. Une, c'est pas bon. C'est maintenant. Et c'est maintenant. Keteb. Et pas du tout. En plus, je crois que t'étais mort en tous les cas parce qu'il pouvait faire en réponse le truc là, non? Pour faire un token. Ah non, il mourrait aussi. J'ai rien su. Alors, on va modifier. Salut à tous, vous êtes toujours 184, merci beaucoup. Hop là, ça a l'air bien. C'est le Dimir? Non, c'est le Grixis. Ouais. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent d'ailleurs. Salle de fond de stream. Alors attends, bouge pas Val. C'est Peritoon Sakuya 2. De toute façon, tout est dans le. Comme je le dis à chaque fois, oui, dans mon rediff stream sur YouTube, il y a exact. L'entièreté des. Ah, c'est Saïdé là? Ouais. Ok. Mortal Engines. C'est quoi Mortal Engines déjà? Ah, c'est le truc avec les. Les villes qui sont sur des. Qui se déplacent, c'est ça? Ça avait l'air très psyché comme univers, mais très cool. Sakuya 2, hein, nous dit bonjour. Oui, Sakuya 2. N'oublie pas de valider, hein. Voilà. C'est fait. Ah bon?
Bah, il te demande automatiquement en fait. Non, il faut terminer. Ouais. Mais sinon, ça te. Bah, en fait, j'ai fait terminer et il te demande voulez-vous valider ? Je fais oui. Ah, ok. Parce que avant, si tu faisais pas terminer, il te validait pas le deck et ça te enlevait le side. D'accord, ok, bah non, écoute, là, ça s'est bien passé. Ah, ouais, il a l'air très cool celui-là. C'est un remix d'OST, bien évidemment. C'est pas dingue, mais vas-y, on va la garder. En fait, je reviens sur ce que tu disais, Rémi VHB, pour les Frères Sisters, ils changent d'avis comme de chemise. Pas vraiment, parce qu'en fait, tu suis la progression du personnage, c'est pour ça que c'est si lent, en fait. Jusqu'au moment où il y a le... Pas le retournement de situation, mais genre... Ouais, l'espèce de plot twist, disons. Et du coup, plot twist dans leur tête. Et en fait, tu vu tout ce qu'ils vivent, tu comprends qu'en fait, la lenteur... Je pense que c'est pour représenter que tout ce que tu vois, c'est ce qu'ils vivent tout le temps. Et donc du coup, ça explique selon moi le fait qu'il y a un revirement, quoi. Je peux pas trop en dire pour pas spoiler. Climax de Gaspard Noé. Alors non, je sais que c'est un très bon réalisateur, mais j'ai jamais regardé de film de lui, je crois, de tête. Ou peut-être si Hunter the Void c'est de Gaspard Noé, oui. Mais je l'avais pas fini, trop d'épilepsie, pendant 3 heures il dure. Au bout de 2 heures j'ai dû couper, quoi. Pas une très bonne main, voilà. Non, non, non. Mais bon, ça fera un peu le café en attendant, puis ça va faire de belles choses. Ça. Advin qui pourra, comme dit personne. Allez, hein, fais masse token, vas-y. Hein. Eh ben, bonne nuit, salut Galtes, merci beaucoup d'être passé, remets-toi bien. Encore du Naruto d'ailleurs, petite OST sympathique. Sympathique. Ah, j'adore les OST de Naruto. Y'a pas les petites OST DB en remix ? Ça fait plaisir ça. C'est toujours remixé. En fait, comme DB c'est vieux, les remix c'est en mode techno. Ah. En mode boum boum boum. Et du coup, bah, je déteste. Tu sais à quel point je déteste ça, quoi. J'aime pas la techno, toi ? J'aime pas du tout la techno, non. Donc la plupart des OST... alors que là, c'est plus des remixes en mode un peu trap, tu sais, un peu plus cool, tu vois. Et c'est juste qu'il rajoute un petit beat derrière, ouais. C'est cool, tu vois. Et ça passe, ouais. Ah, ça passe bien. Ça passe très très bien. Du coup, si vous connaissez des bons OST remixés de DB qui sont libres de droit... Eh, quand même. Je prends. J'achète. Rituel de suit. Ah ouais, là, tout de suite. C'est fragile. Ah, moi je suis grave malade Bojo là. Enfin grave malade. J'entame Marino cet après-midi. Il parlait malade. Par rapport à Estelle Galtes, je crois. Ah pardon. Qui était. Bon toi également, mais qui est malade déjà à cause malade. De ton bah, voilà, bah, même combat. Ah, madame de Lord Dur dit vale à la tête des mauvais jours, on voit qu'il ne gagne pas beaucoup. Non, non, c'est que c'est la tête de malade, parce que je gagne. Enfin, ça va, là, je pense qu'il a perdu. Il ne justifie fait. Pas, voilà. Je gagne des parties, je vous le dis. Croyez-moi, j'en ai gagné une tout à l'heure. Et même que je l'ai écrasé, mon adversaire. Et voilà. Non, non, je suis en PLS en vrai. Vraiment, je suis pas bien. Comme du ça tout. Pas un dab, c'est comme ah, ça, genre. PLS, c'est comme ça. Et bonsoir, Bard Forever. Pensez-vous qu'un deck red bleu avec comme carte main les gobelins des rues, ça peut le faire? Alors j'y ai pensé, et en fait, si tu centres autour de ça, ça meurt trop facilement. Surtout en ce moment qu'il y a beaucoup de blasts qui traînent, c'est compliqué. À moins que tu aies un moyen de partir en combo, sinon rude. Et pas Rudy, rien à voir. Et bonsoir Joaquin. Il garde que le rituel de suit. Je sais même pas si c'est vraiment fort, rituel de suit, je suis encore à 17, il a plus de cartes en main, parce qu'en fait, regarde. Ça fait rien contre moi. Ouais. Là, il a plus rien. Ça, je le renvoie dans la main. Moi, je vais le renvoyer. Il aura deux bêtes. S'il top deck un truc qui met des tokens, t'es pas bien. Val. Garde la vase. Vas-y, tu vas aller chercher quoi sinon? Bah, faire des contres et ouais, des kills quoi. Ouais, je vais garder les deux, mais pas 100% valuable sur Ritual Front. Je vais d'abord prendre. D'abord prendre Ritual. La plus de notion, ouais. Du coup, je vais économiser. T'as mangé du bœuf contaminé apparemment. J'ai mangé du bœuf contaminé ? Ouais. Qui c'est qui dit ça ? Bah, tu sais, quand tu manges des bœufs. Ah, c'est pour ça. Bah oui, mais oui. Attention, on va y de l'action vite. Pourquoi ne pas rajouter une Fiery Cannonail dans Side ? Bah, parce qu'on a moins, mieux. Parce qu'on Golden joue Demise. Golden Demise. Voilà. Moins 2, moins 2 à toutes les créatures.
ça a apporté. Hein. Et le tronc est mortel. Ah ouais? Oh bah il a été gentil, ah bah de pas bloquer. Gentil, hein. Franchement, j'aurais dû peut-être obligé de faire de la magie comme ça. Quoi. Ouais. J'avoue, comment c'est qu'il a été sympa comme ça? Il se dit qu'il faut qu'il te tue d'une façon ou d'une autre. Avec le land. Ouais, je veux même pas faire comme ça. Ah, je flash ma demise en plus. Ah bah merci beaucoup, Ewakin, ça fait plaisir. Il découvre notre contenu grâce à un ami. Et il apprécie beaucoup, surtout notre page YouTube. Ah bah merci énormément. Ça fait plaisir. Oh, j'ai bien aimé ce petit son de café là. Hop! Hop là! Je bois beaucoup. Vaux-tu un petit mouchoir? Ça me fait plaisir. Ça va. En fait, maintenant, ça a fini de couler. Ça a coulé toute la journée. Ça maintenant, c'est bien bloqué quoi. C'est un cataplasme. Ça a bien bouché quoi. Un cataplasme, on en parle en vidéo. Ne dis pas. Ne pipe mot. Je parlerai pas du cataplasme. Je parlerai pas de miel. Et merci beaucoup à Joaquin qui régale tout de suite. Un quoi? Bon. On peut faire une petite pluie de notions là, Val. Ouais. Est-ce qu'il me restera 4 mana pour mes prix? Non. Il faudra que je chope absolument un land. Ouais, je vais l'avoir. Bien entendu, tu vas l'avoir. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Nickel. Bon, regardez. Nickel. Allez, viens là, Nicole. Nickel. Pioche ton Nicole. C'est moi qui rigole. C'est moi qui décolle. Ah bah tu poses même Nicole là, je crois. Je sais pas. Bah, ça bloque bien, non? Ouais, c'est contact mortel. Alors que là, non, j'ai envie juste de faire Vraska. Non, mais juste envie de faire Vraska ce qu'on t'aime là-dessus. Parce que là, tu sais, ça peut me faire beaucoup de magie, choses comme ça. J'ai pas envie de lui laisser okay. le moindre setup, quoi. On a compris, Val. Non, mais tu n'en fais qu'à ta tête. C'est très bien comme ça. Continue, tu verras où ça va te mener. Tu vas vite comprendre. Eh oui, tu fais très bien de rappeler, Bojo, qu'une demande en mariage est prévue si on fait 1 million d'abonnés. Il y a le temps, quand même. Il y a le temps. Je suis pas sûr qu'il y ait 1 million de fans de Magic en France. Pas encore. Parce que par contre, en France, je pense qu'il y a 1 million de fans d'Hearthstone. Ouais, mais faudrait tous les mettre d'accord. Tu vois. Et ça, c'est pas facile. C'est notre boulot, on va le mettre d'accord, les gens. Eh ouais. Ils arrivent, ils sont pas d'accord. Nous, on arrive, ils font... Ah. Ok, on est d'accord, du coup. Ah, bah du coup, je gagne pas mes 2 pev. C'était pas prévu au programme, ça. C'est pas grave, alors. Je vais poser une petite Nicole Bolas. Eh, mais qu'est-ce qui est grave, alors? Hein? Tu me le dis. Qu'est-ce qui est grave? Mais quand il y aura un truc grave, je te le dirai. Voilà, il descend Ferox et je rage. Ça aurait été incroyable. Il est beau, quand même. Lui, il arrive, il transplane, quoi. Ferox? Et non, c'était un marais. Ah, il y a les Belges aussi. C'est vrai que c'est francophone. Mince! Parce que du coup, avec la Belgique, la Suisse, ah oui, Lanceau. Et on a aussi dans les Dom Tom, on est suivi aussi. Dans les Dom Tom, on est suivi de partout, on est suivi dans la rue. Genre qu'il est suisseux, quoi. Et on dit pas un suisseux? Eh, je crois pas. Dites-nous dans les commentaires si on dit pas un suisseux. Ça fait comme Québec, si c'était également. Une insulte, tu sais. C'est vrai, mince, on vous a oublié l'espace d'un instant. Non, c'est 1 million en France, on a dit. On vérifie d'où vous venez. Ah, c'est bien ça. Il a pioché ça toute sa vie? Ah, trop bien. Vous devriez faire un site comme Michel Augustin, les trubillons du goût, mais Val et PL, les trubillons de la magie avec des recettes de deck. Dingue. Un suisseux. Non, ça se dit pas, je ne sais pas. Hein. Je pensais que c'était une expression qui se disait. On dit un suissien, non? Les monégasques, effectivement. Val a même joué en AP contre un belge ce week-end. Tu as joué en AP contre un belge ce week-end? Contre Steven. Ah. Forcément. Mais il a fait le déplacement. J'ai gagné parce qu'il a pioché 20 lands en 2 games. Bien joué, Val. Yes, comme tu ça qu'on va les abos. C'est comme ça, voilà. Comme ça, il sait qui tu es. Il sait que moi j'ai deux pioches. Tu vas rebloquer et tu vas perdre Nicole. Ah oui, c'est vrai. Il sait... Non, parce qu'il a pas bloqué la première fois. Non, mais ne tente pas. Ah oui, je ne tente pas. Enfin, hop là. Un Suisse, ouais. On dit juste un Suisse. Ah, pardon, lanceur. Je ne voulais pas du tout t'offusquer. Un suicide. Non, encore moins gros roco. Ce n'était pas mon intention. Tu dis un truc et tu finis par gros roco. C'est tellement incroyable. Bah, pas du tout gros roco. Ça décrédibilise un peu. Comme tu l'appelais Non, je peux pas le dire. On est sinon. Ah, les gens qui sont bannis. Hein, donc, On est coupé. J'ai juste eu quelques soucis de mana pendant toute la paix. Ah, bah, pendant toute la paix, ça fait long quand même. Donc, ouais, je disais le commentaire de Coquin 84. Je sais pas si je l'ai lu jusqu'au bout. Val et PL, les trubillons de la magie avec des recettes de deck. Ouais, j'ai entendu, ouais. C'est cool ça. Ça serait cool. Ouh, ça me donne une idée de vidéo, gros.
Allez, ciao. J'en dis pas plus. Foudre pygmée. Ça va parler chinois quand le million sera atteint. Ah, on va parler toutes les langues en même temps, là. Mais le plus important, c'est de parler la langue de l'autre. Oh, t'es bon, toi. Allez, viens. Là. Je comprends comment tu l'as eu, ta petite. Hein. T'es bon. Ça, j'ai pas fait exprès en plus. Au hasard. J'étais là, j'étais bon. Elle a fait, putain, t'es bon. Ça, t'es bon. Ça va, je suis bon. C'est vrai. J'ai réfléchi aux gens, je fais, ça, je suis bon, en fait. Ouais, ouais. Bah, allez. Soyons... J'ai regardé, j'ai fait, t'es bon aussi, toi. Soyons bons, alors. Hop, là, on y allait. C'est vrai que tu l'aurais dit, t'es bonne aussi, pas pareil. Non, parce que bon, c'est genre ouais, bon, le bon genre, ouvert, ouais. Le bon généreux. Ouais, bon Keteb. Bon Keteb. Bon m'a dit, franchement, Keteb tranquille. J'ai dit, ah ouais, Keteb tranquille. Comme il faut. J'ai pioché tous les lampes de la Terre, je me suis transformé en Steven. Tu peux en cycler deux, je la garde. Non. Non. C'est fini. Tu la gardes pas. Ouais, ouais, tu peux surveiller. On va surveiller et ça se fait gagner 2 PM. Et d'ailleurs... C'est pas un petit peu notre boulot de surveiller quelque pas, part. Pas du tout. Alors, on par contre, ça, moi, je l'explique bien aux gens. Oui. On n'est pas là pour surveiller. C'est pas vrai. On n'est pas ici pour être à Laval. On n'est pas ici pour être ici. On veut pas savoir si tu es bon, PL. Non, mais je vous le dis. C'est trop tard. Vous le savez maintenant. Est-ce que tu effaces ces pensées? Ouais. Parce qu'il y a des trucs dégueulasses en tour 3 à jouer. Oh, j'efface, ouais. Enfin, dégueulasse. Ça va, quoi, mais. Oh bah là, Dryad, ça dégage, ça touchera jamais le sol. Dryad ? Tu penses que c'est Dryad qu'il faut péter ? Il faut pas plutôt péter son T3 ? Ah non, tu pètes le T3 et tu feras -2/-2 sur Dryad. Ouais, voilà, et d'accord. Et sinon, vous aimez les films de Gladiator ? J'adore Gladiator et j'adorais la série Spartacus. Et petite anecdote dont on s'en fout mais que je la raconte quand même. Dans le jeu Assassin's Creed en Égypte, eh ben, tu m'en rappelles plus le nom, quand tu te balades dans un champ de blé, il laisse traîner sa main comme dans Gladiator. Ouais. La scène mythique. La scène rare mythique. Et tu vois sa main qui se tend comme ça et qui caresse les blés. Et j'ai trouvé cet easter egg très stylé. Stylé. Je n'ai pas joué à ce jeu, mais je sais que c'est Assassin's Creed Origins. C'est Origins en Égypte ? Si, là en Égypte, c'est l'avant-dernier. Enfin, là il y a Odyssée qui sort et celui d'avant. Ah ok, bah ça doit être ça. Je te fais confiance. Bientôt une fanfiction bromance écrite par Chris Sachs. Et du coup, lui non, il veut pas de bromance entre nous, il veut qu'on se sépare. Pas de soucis, mes amis franciens. Ouais, j'aime bien Francien. Ça fait penser aux Prussiens. Les habitants de Prussie. Tu avais quelque chose derrière la tête pour nous demander si on aime les films de Gladiateur, Bojo ? Eh ben, bonne nuit, Gaëlion77, et merci de passer. Assassin's Creed d'origine, ouais, c'est ça. Oh, vas-y, je vais piocher comme un coquin. Allez, vas-y. Vas-y, pioche toutes les cartes. Pioche toutes les cartes de ton deck, Yugi. T'as combien de noyer ? Tu voulais pas jouer ça pour me faire Non, c'est pas ça, c'est juste qu'en fait, juste parce qu'il a 3 en cul et 4 en coup de mana, et je peux le gérer avec aucune de mes brasses. C'est la pire carte de son deck contre moi. Elle m'a tu vas plus de notionner si tu fais mes prix de brasca dessus. Oui, mais là, je l'ai pas. Pardon. On dit pas 77, on dit 77, oh. 77, ah, pardon. Ah, j'ai plus de notionner, ouais. C'est chiant quand même. Ça c'est nul, pourquoi je les ai pas enlevés? Bonne soirée, j'ai les bons tuyaux. La Renaissance c'est naze contre lui. J'en ai enlevé 2 mais j'ai pas enlevé la 3. Ah ouais, contre lui c'est vraiment nazoïde. Ah ça n'a aucun intérêt. Aïe. Erreur de Slime. Da-da-di-da-dou. Et je vais me défausser d'un land. Ouais, une montagne, ça dégage. Allez hop, ça dégage. Qu'est-ce que c'est que ce petit clip Bojo? Je regarde ça en live. Juste parce que qu'on raconte un truc dont tout le monde s'en fout. Oui, c'est bien ce que t'aimes Val, mais qui ça intéresse? Ça n'intéresse personne du coup apparemment. Moi ça m'intéresse Val. Ça t'intéresse? Mais toi t'es gentil toi. Ouais, je suis gentil. Parce qu'en vrai peut-être ça m'intéresse pas, mais je te le dis quand même que ça m'intéresse. Je te le dis quand même. Quand un match Val versus PL, ben quand on fait pourra. Quand on joue en cube, ah oui, et quand on pourra dans le jeu, ben on le fera. Et pour l'instant, un partout, la balle au centre. Hein. Ouais. Mais avec ce qu'on a reçu aujourd'hui, je vous prie de croire que si je peux jouer noir la prochaine fois, ça va mal se passer. Voilà. Je ferai tout pour. Ça va mal se passer. Voilà. Ça va mal se passer. Da, 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 dou. Sapro berger de la Yavimia. Je ne savais même pas qu'il s'appelait comme ça. Ouais, il va chercher à m'attaquer.
Bounce, je pense. C'est une référence, une question. Ah, je n'ai pas la ref. Oh. Bonjour, je suis désolé. Voilà. C'est bien ça. Quoi qu'en vrai, j'ai déjà un milliard de kills en main. Oula, oula. Ah, ça va. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oula, oula. Putain, ça me fait penser, j'ai eu cette réaction. Bah, du coup, en BO3, il est fort le deck. Du coup, ouais. J'ai eu cette réaction au travail. Je vous raconte une histoire inutile, mais ça vous fait rire. Je balbutiais encore un petit peu avec la photocopieuse. C'est vrai. Et à un moment, je me suis trompé dans le chiffre. Et du coup, j'avais pas vu la touche effacée. Je mets 777 copies. Et au moment où je fais ça, et où je veux supprimer, d'un coup, j'entends la machine qui se met en marche. Et je me dis, non, non. Je suis en train d'imprimer. Genre, je vais raser une forêt, tu vois, sur ce play. Genre, merde. Putain. Et pas du tout, c'est quelqu'un qui avait lancé une impression de l'autre côté. Et elle arrive comme ça, genre, non, chez moi. Et tu sais qui c'est. Du coup, quand je fais ça. Et j'ai fait, merde. J'ai eu peur. T'es le pire. Mais quoi, je suis... Non, non, mais non. Je suis pas le pire. Non, non, mais non. Mais c'est vrai qu'elle est comme ça. Maintenant, on a une audience, je dis plus rien, moi. Mais non, mais c'est pas pour se moquer, c'est juste elle arrive, elle rigole, quoi. Oui, oui. Elle fait, c'est moi. Et la blagueuse, quoi. Ou le blagueur, on ne sait pas de qui je parle. Enfin, voilà. Vous utilisez vos pièces pour draft ou paquet. Moi, en ce moment, pour des paquets. Enfin, des QC et des boosters de temps en temps. En fait, quand je gagne un QC, généralement, j'ouvre un booster. Parce que avec les quêtes que j'ai fait pour refaire le QC, j'ai de quoi en refaire un. Mais sinon, le stress de play en plein boulot, ouais. En même temps, ça fait peur, hein, si vous pensez lancer 777 photocopies et vous savez pas comment les annuler et il y a personne autour. Ouais, pas bien. Quand quelqu'un revient et vous voit avec un paquet comme ça de feuilles, vous dites, ouais, c'est du brouillon maintenant. On n'avait pas besoin d'autant, PL. Là, on a du brouillon jusque dans 2 ans. Au moins dans 2 ans, on se dira, un PL quand même, il avait vu loin. Encore du brouillon de quand il était là. Et vu grand, quoi. QC, c'est Québec Cité. Tu as débranché, ouais. J'aurais bloqué le papier, j'aurais mis ma main, tu sais. Non, ne sors pas. C'était de la belle magie. Eh ben, merci beaucoup pour la belle magie. Oui, ça veut dire Quick Constructed, c'est l'événement construit pour 500 gold. 5, comme ça. Ah, tu le sauves, là. T'es en BO3, là? Ouais. Je pense que je vais me mettre à faire des BO3 aussi. Je joue que en BO3. Bah, ça rend des decks viables. Et ça, c'est moi, bien. Je connais des decks viables, voilà. Ouais, bah bon, pas du tout. Deck viable en... Ah, j'aime bien qu'il joue ça. C'est bon, bon match, ça. Eh ben, merci à toi de passer, Dams 1748, et à la prochaine. Yes, bonne soirée à toi. Je préfère qu'on voit la peur des insectes plutôt que PL qui a peur de photocopieuse. Ben, j'avais pas peur, mais c'est juste que j'ai été prank, tu vois. Je me suis auto-prank en plus. T'as peur des insectes, toi? Ah, il est bon. Bah oui, une fois, je me suis cagué dessus. Ah oui, c'est vrai, il y avait un petit truc. Ah oui, il y avait un truc qui était tombé. C'est une chiméra honte, mec. Ouais, c'était une chiméra honte de niveau 1. Oh, c'était une belle chiméra, moi, je trouve. De mon point de vue, elle était belle, c'est vrai qu'elle était sur toi. Donc regarde ce qui est en train de se passer, gros. Ouais, tu le sauces, gros. Tu le sais, toi, ce qui se passe, ou ça t'élise, là. C'est Spoutnik, le mec, là. Ketab ouvert. Ketab généreux. Avec un peu de chance, j'aurais pas eu assez de papier dans le bac, ouais, je pense. C'est bien les mecs qui me rassurent. Non, mais t'inquiète, ça aurait pas marché de toute façon. Oui, j'avoue, en fait, j'aurais peut-être pas eu 700 feuilles. Exactement. Bah non, je crois pas. Une ramette, je sais pas combien, mais à mon avis, ouais, c'est 700. 500 feuilles, je crois, une ramette. Ouais, j'aurais bouffé quand même pas mal de papier. T'aurais mangé la ramette quand même, hein. Faut le savoir, quoi. La ramette. La ramette, c'est pas le féminin d'une rame. Parce qu'une rame, c'est déjà féminin. Ouais, donc ça ferait un rame, une ramette. T'es malin, toi. C'est une petite rame, une ramette. Pour les petits kayaks, par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont les plats à base de viande, sont-ils de bonne qualité? Oui, c'est plutôt le poulet, ici. Non, c'est plutôt l'agneau. Putain, mais oh, mec, il a tout. Oh, il a tout. Après, tu le sauce-save, quand même. Oui, hein, d'accord, mais encore que je le sauce-save, quand même. Il me sauce-save fort, lui aussi, hein, je te le dis. Il a mangé pas chaud, quoi. 777 araignées. Putain, j'ai eu un frisson quand j'ai vu le mot araignée, quoi, j'étais pas bien. Genre, ça fait peur, quoi. Ah, araignée. Mais même le mot araignée, tu sais, c'est araignée. Genre, c'est agressif. Ah, j'aime pas. Ah, bah. Ouais, la cartouche d'encre est y passée. Imaginez, photographie. Ah, j'ai déjà vu. Bien en retard, mais bien le bonsoir. Eh ben, salut, petit Philippe, tu arrives à point nommé. Salut, petit Philippe. On parlait de toi.
Et non. Mais le toit, c'est genre le toit de la maison. Ah, d'accord. Pranked. Prank. Il prank son collègue parce qu'en fait, ils ne sont pas amis. Le titre. Prank, je te déteste. Ah, cool. Merci. Super, du coup. Je suis content. Quand même manger... Ah bah t'as gagné. Ouais. C'est trop bien parce que j'ai juste fait Land, Benalia, 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 c'est tout. Horrible. J'adore. Trop bien. J'adore. J'adore ce deck. Photocopier 777 Assassin's Trophy et Braska. Alors... Lyra c'est bien contre lui. En fait contre j'ai lui, pas trop de side contre lui. Hein. Aménagement. Ah, j'ai déjà deux de base. Hein. Ah. Et en vrai, lui il joue des fées, tu sais, qui sacrifient pour pas que tu puisses faire settle. Comment elle s'appelle? C'est pas une fée, c'est Sirène Stormhammer là. Ah ouais. Est-ce que contrainte ou invocation de la divinité, c'est pas bien contre lui? Invoque non, parce que pour péter une curieuse obsession, c'est nul quand même. Autant péter la bête, tu vois. Ok. Je me demandais s'il jouait d'autres trucs. Non, non, non. Contrainte, ça doit se discuter, faut voir ce que tu sortirais. Déjà, je vais sortir ça. Je pense que tu sortais toi. Hein. Ça, c'est nul. En plus c'est lui qui commence, donc du coup c'est vrai que mes tours 1 sont beaucoup moins worse ouais. Pour le coup. Et en plus tu peux pas bloquer, il a plein de trucs, un bloc là, Bouffly. Je pense que tu rentres 4 duress. Et Tribunal du Conclave peut-être? Non. Ouais bah je l'ai sorti pour mettre un binding, parce que je fais binding sur sa 3-4, il pleure quand même. Ouais c'est vrai, t'as... Enfin sur sa 0-4. 0-4. J'ai pas envie de laisser gagner. Non mais s'il sacrifie sa sirène, c'est un sort qui cible une créature. Ou un joueur. Du coup, tu peux pas cette. Mais bon, je suis quand même peut-être obligé de jouer. Allez, bonne nuit, Lord Sod 59, et merci à toi. Ça, c'est naze contre lui. Oh, c'est naze, oui. Non, c'est bon, je pense que t'es bien là. Et il manque une carte. Shalai ah bah... ou la troisième aménagement. Shalai. Shalai. Créature volante qui bloque. J'ai mis deux Lyra hein, déjà. J'ai rajouté une Lyra. Oh, ouais, mais c'est bien. Okay, c'est parti. Bien comme ça. Pas de soucis, démon blanc. Et bah, bonne écoute, nuit et merci bonne nuit. Infiniment encore à toi merci. Pour ce soir. Salut, Baby Doux. On le sent, le slip. Ouais, lui, il va side slip. Ouais, il va side sommeil. Il aura bien raison de faire ça. Du coup, on va jouer des contraintes pour lui enlever ses sommeils. On va la garder juste parce que j'ai un T2 et c'est tel, mais c'est pas incroyable comme main. Bah, sur contre, t'as perdu. Pas nécessairement parce que je pense t'as pioché un T3. Pour le coup, je vais jouer le cimetière en jeu engagé. Effectivement, sinon il arrive engagé. Ouais. Après, tu pouvais tout curver de toute façon. Ouais, mais tu vois, si j'avais un truc vert à jouer, genre typiquement la 4-3, j'aurais été un peu déçu. Bah, celle-là, tu vois. Bien par joué. Exemple. Bien joué. Attends, c'était le play hein, de jouer ça. Ouais. Face is the play. J'adore quand face is the play. Et quand this is the play. Et quand this is the voice. This is the voice. Et quand this is la peste. J'ai pas mis. Non, c'est pas un draft. Ou alors ce serait un très bon draft. C'est un draft quali, quoi. Du BO3. Du constructeur. Avec non, c'est juste du. Notre deck maison, celui qu'on kiffe. Le compétitif ladder. Juste ouais, ça. C'est ça, du compétitif ladder. Et c'est le deck que je travaille en ce moment. Voilà, on essaye de viabiliser la liste. Il y a un truc à faire en vrai. Exactement, petit Philippe. Plutôt ardoise, hein, c'est plus joli. Est-ce qu'il y a un énorme retard ou pas? Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait il y a longtemps que j'ai dit ça. J'ai bafouillé de ouf pour dire ça. Tu veux au moins une phase 1 toi? M'en fous moi. T'es un con toi. Moi je mets tout moi. T'es un con Val. Je t'ai vu comme ça avec ta petite carte là. J'ai dit range-moi ça Val. Calme-toi. Fais honneur à la chaise s'il te plaît Val, joue au moins une phase 2. Comme je t'ai appris. Ah là là, mon dieu. Assez fort hein. Ce qui lui a mis. Oh là 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 là. Dans le sud des panneaux solaires, c'est pas mal aussi. Ah, c'est rentable chez nous. Ce deck, il me fait faire des cauchemars la nuit. Lequel, Kyo? Celui qui t'a battu ou celui que notre adversaire joue? Les deux, je crois. En vrai, qu'est-ce que vous en pensez de ce Abzan Knight? Il est pas quali, en vrai? Franchement, fort. Et comme ça, là. Comme ça. Oh là là. Oh là là. Me dégoûte. Oh là là. Me dégoûte quand tu fais ça. Oh là là là. Vas-y, mets un chevalier et ça. Ah ouais, j'y vais. Mets une phase 1 par contre. Ah bah oui. Je voyais, t'es allé en main phase 2, enfin en phase d'attaque, j'ai dit pop. Calme-toi, Val, tu peux le descendre à 3. Ah ouais? Ah ouais. Déjà? Ça va vite? Ça va
va trop vite. À peine le temps de. Ah, on dispose pas du temps. Bon, là, il doit avoir au moins deux tricksters dans la main. Ah, le tien. Mono bleu en deck budget qu'on va bientôt présenter sur la chaîne IRM23. Très cool. Il a fait une erreur. Il les a pas joués avant la phase d'attaque. Ah, effectivement. Après, il enlève quand même l'effet. Oups. Oh, il est bon quand même. Très fort contre aggro et mid, si pas assez fort. J'ai pas compris, Q. Petite phase de piano sympathique. En gros, il dit que le deck est fort contre mid si le mid en face est nul. ça serait étonnant que tu dises ça quand même. Genre, ton deck il est bien si le mec en face c'est pas bon quoi. S'il a un mauvais deck, c'est un deck fort. Oh, sommeil. C'est ouf. Ah, mais tu réponds quand même bien. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Voilà, t'as fait sommeil, mais ensuite. Si le mid en face est pas assez. C'est une extension qu'on a mis Xendra 7. Bah, main phase 1, tu joues si ça impacte ton board. Sinon, c'est main phase 2. Parce que par exemple, il va peut-être faire un anti-bet sur ta créature qui attaque et pas sur la carte que tu auras posée en main phase 2. En fait, ça sert à protéger ta carte de la jouer en main phase 2. Ou alors, pas lui donner l'information de ce que tu vas faire avant qu'il crache ses cartes en fait. Exactement. Donc, si tu n'impactes pas ton board directement sur ta phase d'attaque, joue en main phase 2. C'est mieux. Ah, aussi, s'il est bon, qu'est-ce que je fasse? Tu sais ce que je vais faire? Moi, je sais ce que je vais faire. Je vais faire Settle là. Tu fais Settle là? En vrai, t'attaques, s'il bloque pas, t'as gagné déjà. Ah oui, parce que je fais. Oui, ça. Eh oui. Eh ben oui, Val. Eh oui, gamin. Il te tue pas en plus, même s'il contrôle Settle. Si, sur certains streams Hearthstone, il y a ce genre de bail. J'ai beau rosser l'adversaire, il dit Myrtille et Isette, 6 micros par la fenêtre. Ah ouais, je sais pas où t'en es beau, Joe, là. J'ai envie de te suivre, mais t'empruntes un chemin que... 1, 2, 3, j'aurais dû jouer ça avant. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vais lui péter une Curious, je pense. Ouais. Une Curious Bastard. Très bon film. Et c'est un bingo, c'est comme ça que vous dites? Non, à vrai dire, on dit juste bingo. Tranquille, en même temps t'as un bloquant. Est-ce qu'il bloque tout seul? Oui. C'est un auto-bloquant du coup. Oui. Est-ce qu'il bronze tout seul? C'est un auto-bronzant du coup. Ouais. Est-ce qu'il conduit tout seul? C'est une auto du coup. C'est une autocar. C'est un autobus. Il y a trop de plaies. C'est quoi? What is the bon play? Faucheur à Jani, je pense. Ouais. Enfin, à Jani, plus 1. Ah non, tu mets faucheur aussi s'il bloque. Ah bah oui, si tu mets fauché en main phase 1, bien sûr. J'ai caché 4 guildes dans une phrase sans sens. Mais je me sens partir pour le coup. Ah, j'ai Borossé, l'adversaire. Il Dimir, Ti et Isette, Simic, Ro. 6 micros par la fenêtre. Par la fenêtre. Oh, beau jeu, t'as mal. Hein. C'était de la belle magie. Merci pour la belle magie. Dingue. Merde. Merci à Sivarite pour la belle magie, comme le pur ancien. Pur ancien Sivarite. Presque. Sivarite. Ah, c'est pas pur ancien, c'est sorcier. Sorcier Sivarite. J'ai failli. Prank. 4 guilds. Ah, c'est bon, j'ai les 4 guilds. J'ai rien, on manque une. Non, c'est bon. Vous êtes sort, tout à fait sort. Un autonome. En vrai, il peut te tuer en tuant tes bêtes. Non. Ouais, faut vraiment qu'il y aille fort. Tu as beaucoup des bêtes, quoi. Puis toi, tu as pioché beaucoup de cartes. Je sais pas si c'est le best play, tu vois. Je pense que c'est pas. Oh, qu'est-ce que c'est que ce petit top deck? Jory. Voir ça, là. Allez, envoie la papate, là. Envoie la mimine. Une riposte de sorcier.
Ok, hein. Normal. Il y en a une deuxième? Phase d'attaque. Je propose un létal déjà. Comment? Bah, je l'attaque. S'il bloque pas, il est mort. Bah. Donc, j'ai bloqué le bon. Voilà. C'est ça, proposer un létal. Oui, mais bon. Bah, j'ai proposé un létal, j'ai pas menti. C'est vrai. J'ai pas dit que je tuais, je dis que je proposais. On joue safe avec Lyra et s'il me contre, je crie. Ou juste là, trophée, c'est bien. Je fais trophée chevalière. Lyra, c'est grid, c'est beaucoup mieux de faire trophée chevalière, je pense. Je pense que si tu gères pas la bête, t'as gagné au prochain tour, donc vaut peut-être mieux garder trophée et aménagement et décombres. Pas mourir. Bah, c'est pour ça que tu fais juste chevalière. Et je garde trophée au cas où. Mais non, je te dis de garder settle et trophée. Ah, donc je fais Lyra. S'il a un contre. Mais non, de rien faire du coup. Tu gardes la mana pour faire les deux. Ah, pendant tout le tour. Je pense. Parce que lui, s'il te gère ta bête, ça veut dire qu'il a passé du temps à le faire. Ok, vas-y, on va tenter comme ça. C'était de la belle magie. Et merci pour la belle magie. Putain, en vrai, settle pour ça, c'est quand même nasoïde, hein, mais... Merci à Kyo qui annonce notre rythme de streamage. Merci beaucoup, Kyo. Oh, je paye 2 en vrai. Bah oui, tu payes 2. C'est mieux, hein. Oui. Mais tu gardes un spell. Pourquoi il me propose alors? Il y a peut-être 2 contre. Faut que tu cliques sur tes mains. Oula, malheureux. T'allais refuser. Oh la gamin. Hop là. Et du coup, si t'avais joué un truc, t'aurais pas pu. Ouais, mais je pense que dans tous les cas, il y avait aucun play qui était foncièrement dégueu, quoi. J'avoue. Déjà vous. Bon. Ah. Eh ben, il est bien, le deck. T'es à 2-0, là. Ouais. Fort. Bah oui. Franchement, bien. Est-ce que ça conclurait pas ce stream? Tu penses qu'on est, on est sur de la conclusion? Je pense qu'on est sur de la conclusion de stream. Moi, je commence à être bien malade, j'ai bien envie d'aller dormir. Eh ben, très bien. En plus, la musique, c'est pile arrêtée, je crois. Ouais. Genre juste pour le dernier play. Ah oui, d'accord. Ok, Kyo est parti setup. Jean-Michel Gratuit prend sa place. Si vous voulez continuer la belle magie, vous pouvez aller sur le stream de Kyo. De toute façon, on va faire un raid, on va vous envoyer vers lui. Donc exactement. Si vous voulez bien rester dans le chat pour aller voir notre ami. Oh, ça, avec ça, on a... Petit booster à ouvrir. Petit booster à ouvrir, combien j'en ai? Un seul. Bon, c'est bien. Sport. C'est bien, ouais, c'est bien, c'est pas mal. Donc du coup, voilà, notre Abzan Knight qui continue à grinder son petit bonhomme de chemin, du coup. Oh. Joli booster. Keteb. Booster généreux. C'est le conclusage, exactement, Space Quidlet. On est sur une concluance. Du coup, bah, merci à tous de nous avoir suivis. Je monte la liste de Abzan, du plein, coup. Plein de viewers ce soir, c'était très très cool, merci à vous. C'est Abzan Knight, j'adore, yes. En plus avec Benalia. N'oubliez pas mon stream solo à 21h lundi prochain, pour ceux qui veulent encore plus de stream. Stream de Val solo à 21h mardi prochain. Et notre stream, du coup, en duo, jeudi prochain, 20h30, même heure. Yes, nous, on va se reposer, histoire d'être super en forme. Exactement. N'oubliez pas les petites vidéos, là, ça arrive sur YouTube. On vous a préparé des petits contenus quali saupoudrés. On va vous présenter toutes les belles listes de Ravnica. Donc, bah voilà, merci d'avoir été là toute la soirée. Merci encore à Démon Blanc, même s'il est parti se coucher, pour cette magnifique ouverture. Il nous a permis de faire ça en vidéo, c'est coolos. Merci énormément, le chat, toujours au taquet, toujours présent, yes. Qui fait plaisir. Merci à nos petits modos adorés. Qui font le taf. Voilà, ne quittez pas ceux qui veulent encore de la belle magie. On va raid Kyo dans un instant. Et puis voilà, surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. C'était de la belle magie.